Je veux proclamer les merveilles.
sœur Yéfani, nous saluons également notre frère, le pasteur Abraham Touboulou, de Kinshasa, nous saluons également la sœur Carole du Canada, notre sœur Gertrude de Libreville, le pasteur Koboma de la Guinée et notre frère Bokari de la Guinée qui se trouve actuellement aux États-Unis. Notre sœur Lily et sœur Philippe, nous saluons également dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons également les salutations de notre sœur Brigitte Boulou qui a téléphoné ce matin pour nous saluer spécialement. Et notre frère Richie de Blois également nous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons la maison de notre sœur Esther de Lille. Je n'oublie pas non plus les salutations de notre frère Thomas de Bilbao. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Levons-nous, nous allons prier et les demander la bénédiction de la misère. Pour ceux qui ne connaissent pas le cœur, c'est le 362 dans les phares. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de notre Père. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison du Éternel. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison du Éternel. Je suis un peu plus de temps.
Thank you.
Nous avons les salutations du pasteur Edu Gwara du Nigeria, le frère Robert, le mari de notre sœur Dorine, et le frère Barnabas de l'Ouganda. C'est notre sœur Dorine qui nous transmet donc ces salutations. Bonjour mes frères et sœurs, j'ai un témoignage et un cantique à la gloire de Dieu, notre sœur Rachel. J'étais venue ici pour rester ici en Belgique pour la parole de Dieu et j'avais abandonné tout. J'ai fait disponibilité parce que c'était difficile pour que je quitte le CHI de Toulouse. Donc j'ai fait la disponibilité, je suis venue. Mais en venant, donc, j'ai dit à mes garçons, voilà, je pars, écouter la parole de Dieu et je ne resterai pas comme ça. Je vais faire les études et si le Seigneur je suis venu, je fais quand même. J'ai cherché pour m'inscrire et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais ça n'a pas abouti. Donc, j'ai abandonné, j'ai laissé et j'ai fait ce que j'ai dit. Mais quand j'avais demandé l'équivalent de mon diplôme, donc on avait accepté, mais il fallait une lettre d'authentification. Cette lettre, j'ai beau chercher depuis, mais je n'ai pas eu. Finalement, le Seigneur a envoyé le frère Abraham, et moi je ne me souvenais même pas. Et quand le frère Abraham voulait partir, j'entends une voix qui me dit « Donne maintenant ton diplôme. » Et puis j'ai parlé avec le frère Abraham, il a dit « Oui, ma sœur, donne-le-moi, vous aurez la lettre de gratification. » J'ai donné le diplôme, il est parti avec. Après, il m'a envoyé la lettre de gratification par le frère Albert. Et cette lettre-là, je l'avais mise dans mon sac. J'ai oublié, j'ai changé de sac, j'ai tout laissé. Et un jour, je passe à côté de l'école, d'une école infirmière, haute école, et puis j'entends une voix « entre ». Et puis, j'entre dans cette école-là, et puis je demande l'inscription et tout. On me dit « Non, madame, il faut amener l'équivalent. » Quand la dame m'a dit d'amener l'équivalent, j'ai dit « Ah, l'équivalent encore ?» Parce que je vais trouver ça 50 euros pour donner, pour chercher l'équivalent. Je sors, avant même de sortir d'immeuble, j'entends une voix. Tu avais demandé l'équivalent et l'équivalent était en suspension parce que tu manquais la lettre de gratification. Maintenant, et voilà le moment d'amener cette lettre. Je regarde dans le sac, je vois l'enveloppe de la lettre de notification. Je vais directement à la communauté française. J'arrive là-bas, je parle avec un monsieur, et puis il me dit, bon, on vous donne un rendez-vous. Pardon. Il me donne un rendez-vous, c'est le lendemain de ce jour-là. Je dis, ok, je pars au travail, je passe directement là-bas. Je prends le numéro, je me trouve devant la femme qui a traité mon dossier. Alors je dis, voilà madame, j'ai amené la lettre. Elle a dit, cette fameuse lettre, tu l'as trouvée, comment tu l'as pu trouver? J'ai dit, par la grâce de Dieu. Elle a pris tout le papier, elle a mis dans mon dossier. Donc j'attendais, je regarde
je regarde parce qu'elle a dit qu'elle va m'appeler ou elle va m'envoyer un message. Je regarde dans ma boîte mail, je ne trouve rien. Donc, j'ai dit, je vais aller demander. Je pars. Elle me dit, ah, j'avais oublié de présenter ça à l'inspecteur. Donc, elle a pris le dossier, elle a présenté. Et finalement, on m'a donné en fait la lettre, l'avis favorable. Cet avis favorable, comme les jours passaient pour l'inscription, je pars avec cet avis favorable et la dame me dit, non madame, regardez ça, vous allez encore passer un examen de jury en français. J'ai dit, ah bon? Parce que je n'avais pas lu très bien la lettre. Alors j'ai lu, donc je dois passer un examen. J'y vais directement maintenant à la communauté française. J'arrive là-bas, je demande à monsieur, il me dit non, pas ici. Et voilà, il m'indique le bureau où je dois partir. Je pars dans ce bureau-là. Je trouve une dame. Je le salue, je commence à parler avec la dame. J'expose mon problème. Elle me regarde. Après, j'attends comme si j'ai changé la voix. Je parle avec elle vraiment. Finalement, elle me demande, madame, vous êtes de quelle nationalité? Je dis, je suis française. Elle me dit, donne-moi la lettre. Elle prend la lettre, elle regarde, elle prend le téléphone, elle appelle le monsieur. Le monsieur ne répond pas. Elle me dit, madame, vous êtes devant le jury. Moi, je suis la présidente du jury. C'est moi qui fais, qui évalue tous les étudiants. Et comme je viens de parler avec vous, c'est toutes les questions que je viens de poser, c'est les questions que je devrais vous poser en jury. Donc vous avez eu votre équivalence, vous n'aurez même pas un examen. Allez rester à la maison, ne venez même pas plus, je vais m'en occuper de ça. Et je suis venue, je suis restée. Finalement, ça a pris beaucoup de temps. Et le 10 octobre, je reçois la lettre de ratification, l'équivalent de mon diplôme. J'ai dit, bon, maintenant, je vais m'inscrire avec ça. Mais j'ai eu une mauvaise nouvelle où je suis partie au Burundi. Et là, j'arrive là-bas, je voulais appeler Sarah pour demander. Et Sarah, je parle avec elle, me dit, maman, ne te tracasse pas. Parce que j'ai regardé l'inscription, c'est jusqu'au 31 octobre. Donc je suis restée, je suis revenue. Et j'ai oublié, deux jours après, je me suis souvenue, je suis partie là-bas. Et puis on m'a dit, non madame, j'ai fait montrer tout mon dossier. Très bien, va faire l'inscription à l'île. J'arrive, j'ai fait tout. Et puis... je suis venue avec mon frère Emmanuel, on a fait tout ça. Et puis j'ai laissé. Après, je reçois une mail, voilà, c'est bon, mais on me donne un rendez-vous. Je pars, je présente tous mes papiers, c'était OK. Je laisse, j'arrive deux semaines après, on m'appelle, madame, il y a beaucoup de choses qui manquent dans votre dossier, il y a ceci qui manque, il y a l'horaire de travail qui manque, il y a l'horaire de ceci, le travail de ceci. Beaucoup de papiers. Alors, j'ai fourni ce que j'ai pu. Après, j'ai dit, bon, c'est OK, parce que ce n'est pas dans les règlements d'inscription, tous ces papiers-là. J'appelle frère Modeste, j'ai dit, frère, maintenant, cette école, ça me met en difficulté. Il y a beaucoup de papiers qu'on demande que moi, je ne peux même pas avoir. Le frère Modeste me dit, sers, prie Dieu et fais ce que l'école vous demande. Je suis allée, j'ai prié, j'ai fait tout ce que le frère m'a dit. J'amène les papiers, on me dit, madame, vous avez fait le néerlandais en 2014 et nous voulons les papiers de néerlandais et l'horaire des cours de néerlandais. J'ai dit, OK, je vais y aller. J'ai fini mon travail. Je pars là où je vais prendre le train. Le train reste quelques minutes arrivé. J'attends une voix, retourne à la maison.
Regarde dans les bulletins, il y a un bulletin d'inscription, on a marqué les horaires là-bas. Je prends mon sac, je retourne à la maison. J'arrive, je fouille les papiers, je trouve là, on avait marqué vraiment l'horaire du cours, les jours d'horaire du cours, mais pas le nombre d'heures. Je pars avec ça à l'école, et je leur donne et regarde, oui, on a vu, la dame a vu. Bon, c'est fini. Donc, le dossier est connu. Une semaine après, je reçois encore un coup de fil. Madame, il faut le bulletin, il faut l'horaire de travail de Toulouse et l'attestation de l'employeur. J'appelle encore frère, j'ai dit frère, je ne sais pas, je dois abandonner parce que c'est toujours quand j'amène ça, on me demande ça, quand j'amène ça, on me demande ça. Et le frère me dit, va faire ce que l'école. Alors le matin, je me réveille, je prends le téléphone, j'appelle à Toulouse, on me dit, oui madame, on va vous envoyer l'attestation. Par contre, pour ce qui est de l'horaire, du coup, l'horaire de travail, ça, je ne sais pas, mais il faut voir avec le cadre. Le cadre, j'appelle le cadre était déjà parti, ça fait 2 ans. Il y a une autre qui est venue, autre aussi, elle est partie. Celle qui est là, elle est en vacances. Alors, quand j'ai entendu comme ça, j'ai dit, oui, je vais appeler, je demande quand est-ce qu'elle viendra. On me dit, on me donne la date. Quelques jours après, je reçois la lettre de l'employeur, j'amène, on me dit, mais où est la lettre, l'horaire de travail? Je leur ai dit tout ce que j'ai rencontré comme difficulté. Okay. Je laisse tout. La dame me dit, c'est bon ce que vous avez donné tout le justificatif des recherches d'emploi, et les horaires des cours de néerlandais, l'horaire de travail de l'artiste là où je travaille, l'attestation de l'employeur. Donc j'ai donné tout ce qu'on a demandé, sauf l'horaire de travail de Toulouse. Alors, le 27... je reçois un coup de fil. Madame, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Voilà, on n'a pas accepté parce que les dossiers étaient complets. Mais passez à l'école pour retirer ton dossier. J'arrive, la dame dit, ne retire pas ton dossier, mais ne baisse pas les bras parce qu'on a dit que je suis un étudiant non finançable. D'accord. Reste là, la directrice va passer et puis tu vas demander, voilà, je suis venue et je suis venue demander pourquoi je ne suis pas un étudiant finançable. Je reste là quelques minutes après, je vois la dame qui passe et je dis, madame, voilà, je me présente et je lui dis, elle me dit, oui, je ne sais pas, je ne comprends rien, votre dossier, c'est un dossier difficile à étudier. Et donc, la dame, l'inspectrice a noté que vous êtes non finançable. Alors, je dis, bon, ben, je vais retirer alors mon dossier. Non, vous ne pouvez pas retirer le dossier, on va vous envoyer une lettre. J'ai dit, non, je vais voir mon dossier parce que j'ai beaucoup de papiers que j'ai fournis. Donc, je dois voir ce qui ne va pas dans mon dossier. Alors, un instant. Elle est allée, elle a photocopié le dossier, mais d'autres papiers, elle a laissé. Alors, j'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas finançable? Elle a commencé à parler. Je ne sais pas, c'est la communauté française, donc si vous voulez, vous n'avez qu'à aller à la communauté française et demander pourquoi vous n'êtes pas finançable. Okay. Je prends. Oui, je prends le chemin vers la communauté française, j'arrive là-bas, je demande, je monte, la dame me dit, madame, vous êtes tombée dans le bon, pourquoi vous n'êtes pas finançable? Quelle est votre nationalité? Je dis, et puis la dame me dit, mais non, il me donne tous les articles qu'il faut pour faire le recours. Ah, je prends ces papiers, je viens, j'arrive à la maison, je prie. Je dis, j'attends, il faut que je voie Frère Ronald. Je viens, je vois Frère Ronald.
j'ai dit, il se pose le problème. Il a dit, Serge, je vais faire une lettre. Il a pris tous les articles qu'on m'a donné, il a fait la lettre. Et puis je suis allée encore avec cette lettre chez la dame, chez l'instructrice. Elle a regardé, elle a dit, vous avez oublié d'autres choses. Donc elle m'a donné encore d'autres articles. Je suis venue, je dois faire le mal. Il a fait, mais quand il a fait, il a mis ses dossiers irrécevables. Alors je suis venue, je dis j'amène ces dossiers, j'amène, je suis dans la salle d'attente, j'attends une voix, retourner à la maison, va mettre l'enveloppe à la poste. Alors je regarde, je n'ai pas l'adresse, donc je dois attendre. J'attends jusqu'à 17h, la dame vient, me donne l'adresse. Elle me dit, vous ne voulez pas que je voie. Je dis, non, j'ai tout fermé, je fais tout simplement l'adresse. Elle me donne l'adresse et je viens, je fais la lettre avec la visite de réception. 10 semaines après, j'arrive dans la maison, je vois la visite de réception de cette lettre. J'arrive quelques minutes après, j'entends les téléphones qui sonnent, madame, voilà, vous êtes inscrit, vous venez chercher votre carte d'étudiant. J'ai dit que je sois arrivée directement, j'appelle le frère Léonard, je lui dis. Et puis je m'en vais, j'ai tout fait. On a tout fait, tout on a encodé parce qu'il y avait quand même ma carte d'étudiant, ma carte, j'avais oublié là-bas, donc on a fait tout encodé, tous les trucs, et puis on me remet, voilà, vous allez partir. Étudier vos donc je remercie le Seigneur pour ça parce que ça a pris beaucoup de temps et c'est un dossier très très difficile et le Seigneur a rendu ce qui était impossible et il a rendu possible. Amen. 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 Je vais t'aider.
jeune fille. Amen. Je bénis sa sœur Rachel. Nous sommes vraiment heureux pour toi. Amen. Notre sœur Dorine nous fait savoir que le pasteur Bolas, pour qui nous avons prié, souvenez encore le jeudi, il a été irradié par. Il a été irradié et son sang a été contaminé. Donc, elle nous dit que le pasteur Bolas de l'Ouganda se sent de mieux en mieux. Amen. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Amen. Ce qu'il nous entend et exauce encore les prières. Amen. Nous avons prié pour notre sœur Elevani de Kigali, chez qui les médecins avaient trouvé des cellules cancéreuses. Et nous avons prié, je crois, les semaines qui sont passées. Et nous avons la nouvelle. Amen. Le Seigneur a agi. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais donc demander à ma sœur Dorine de venir chanter donc un cantique pour remercier le Seigneur de ce qu'il fait dans sa vie. Oui, donc elle remercie le Seigneur de l'avoir guéri de toute maladie et de toute douleur dans son corps. Que Dieu vous bénisse. Viens chanter, ma sœur. God bless you. Amen. Yeah. Okay, Sister Mary is not here. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him. I surrender, oh,
Thank you.
Marcel qui a un témoignage qui est venu également de moi. Mon frère Marcel. En invoquant le nom du Seigneur Jésus, conformément aux Écritures, je me présente devant vous en bonne santé. Je remercie aussi ma sœur Edith. Elle était chez elle. C'était le jeudi aussi. Elle ne savait pas que j'étais malade. Elle a fait une boisson à base de plantes. Ça m'a aussi fortifié. Que Dieu la bénisse. Et encore aujourd'hui, le Seigneur soit béni. Je vais donc demander aux sœurs Gloria, Marie-Isaac, Mary, Lisa, Lise, qui voudraient chanter un cantique. Oh,
prières à nous tous. Nous lui offrons réellement nos vies, nos cœurs, nos âmes. Il prend vraiment le contrôle de chacun de nous. Que donc Dieu est dans les mondes. Vous avez les salutations du pasteur Moses de Malawi et de notre frère Francis Oklo de la Guinée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonjour mes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur qui a fait disparaître tous les maux de tête et cette forte migraine que j'avais durant toute une semaine. Que Dieu soit loué pour son amour et sa fidélité. Et merci aussi de vos prières. Que Dieu vous bénisse richement. C'est notre sœur Christiane. Nous avons prié le jeudi. Le Seigneur avait depuis une semaine. Elle avait ses migraines. Elle avait dit donc même que quand elle sentait comme si sa tête allait exploser, c'est ça ma sœur, allait se casser. Que le Seigneur soit glorifié. Parce qu'il est réellement le Dieu qui relève les défis. À tout cela. Psaume chapitre 147, utilisant la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu. Amen. Car il est doux. Il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail. Au petit du corbeau, quand il crie, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix au territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et ils ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Israël, méconnais soit à l'Éternel.
nous sommes dans la joie de ces paroles de Dieu encore de vérité pour nos frères. Oh Dieu, je suis dans la joie. Oh, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes heureux d'être rassemblés entre nos frères. Combien dans la joie d'être ici ce matin, Père, glorifiant et chantant ton nom encore de tout notre cœur. Oh, nous sommes heureux d'être ici, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi encore, notre Maître béni, pour tout ce que tu fais pour nos personnes, pour la joie et la légèreté que tu as réellement aussi dépend de notre cœur. Pour envoyer encore ce matin devant ta face, mon roi, nous sommes réellement le troupeau de ton pas de voix, mon Père. Nous en réjouissons encore davantage, mon Maître béni, Père, sachant que c'est toi qui nous conduis, mon Sauveur. Dans ces temps du soir, mon Maître béni, oh notre Dieu, tu es le seul Dieu qui a parlé et qui parle encore, Père, et qui éclaire et qui éclaire encore davantage, mon roi. Soutiens chacun de nous, mon Maître béni. Louange et honneur à toi, toi qui es l'auteur de la vie, oh notre Dieu, toi qui es l'auteur de ta parole, mon roi, toi qui es le maître des temps, des circonstances, mon Seigneur. Oh, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance. Ton bras est tellement si puissant, mon roi. C'est vrai, la Bible a raison, mon Sauveur, lorsqu'il dit que lorsque toi tu dis, la chose arrive. Et quand tu ordonnes, elle doit exister, Seigneur. Nous te sommes soumis, mon bien-aimé, Seigneur, oh Dieu. Pardonne encore les égarements, mon maître et béni, Père Saint. Pardonne encore nos péchés, mon roi. Nous te supplions, notre Dieu. Mais notre foi est ancrée en toi. Notre confiance vraiment placée en toi. Toi qui conduis réellement nos âmes. Sois donc béni encore ce matin, notre Dieu. Sois donc élevé encore ce matin, Seigneur. Pour ta grandeur, mon bien-aimé, Père Tibissant, et ta bonté à notre endroit. Merci pour le chant des cantiques. Ils sont montés devant ton trône de grâce, mon roi. Dans nos cœurs, tu es exalté avec des danses, mon bien-aimé, Père Tibissant. Et des cris de joie parce que nous te louons ainsi, parce que tu es notre Dieu. Sois donc béni encore ce matin, notre Père, parce que tu es digne, au roi. Tu réjouis réellement nos cœurs et nos âmes, au roi. Devant ta face, nous sommes heureux, Père. Bénis chaque frère et chaque sœur encore ce matin, mon Père Dieu, en chaque lien, en chaque endroit dont tu nous rends, Père Tibissant. Souviens-toi de chacun de nous, car d'avoir ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Combien c'est toujours merveilleux de pouvoir nous retrouver assemblés dans le lieu que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce de pouvoir nous retrouver. Et surtout aussi de pouvoir aussi revoir nos frères et sœurs. Que Dieu soit béni pour cette grâce. Et ce que nous a réellement aussi accordé, cette joie de pouvoir nous retrouver ensemble afin de célébrer son nom. Et le louer de tout notre cœur, comme ce matin nous la vont chanter et que nous continuerons à pouvoir aussi louer et l'exalter pour tous ses hauts faits et pour son amour à notre endroit. Un jour dans ce parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous aimons nous retrouver effectivement là où le Seigneur se trouve, parce qu'il a dit que là où deux, trois sont assemblés en son nom, et certainement il est aussi au milieu de nous. Nous sommes éclairés et nous sommes dans la joie de savoir qu'effectivement que chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche davantage de notre Seigneur et de sa venue. Et nous comptons réellement sur sa grâce pour que nous tenions encore fermement dans ce temps dans lequel nous vivons, alors que nous voyons les choses avancer par sa grâce. Nous le remercions parce que, et je le répéterai toujours, et si longtemps que Dieu nous accordera la grâce de pouvoir avoir le souffle de vie de l'Éternel, ce qu'il nous a réellement pas laissé dans les ténèbres, mais il nous a envoyé la lumière et il a ouvert nos yeux pour que nous puissions réellement voir. Et si nous avons les yeux pour voir, nous devons véritablement voir selon ce que le Seigneur nous montre et de la manière dont il nous éclaire. Nous le remercions parce que nous savons que le monde dans lequel nous vivons, où nous avons été placés, ce monde est en train de pouvoir réellement avancer. C'est vrai, les hommes ont des projets et les hommes ont des programmes, mais le Seigneur a ce projet, il a aussi son programme. Et sur nous, certainement, les projets que le Seigneur a formés pour nous sont des projets de bonheur. Nous devons réellement nous réjouir en tant que le peuple de Dieu et surtout lorsque nous pouvons avoir cette grâce de pouvoir voir ce qu'il nous a donc dit dans sa parole, quelle joie et quelle grâce et quelle exaltation à l'endroit de ces lieux. Ce n'est plus le temps de pouvoir perdre beaucoup de temps à des choses inutiles dans notre vie, dans notre marche, mais c'est plus le temps maintenant où nous devons nous consacrer davantage à notre Dieu.
Notre précieux frère l'a dit tout à l'heure, il dit dans le livre de Psaume 147, il dit, il révèle donc sa parole à Jacob. C'est déjà une grâce que le Seigneur, notre Dieu, l'ait signifié là et qu'il, comme nous le savons, véritablement, il tient à sa parole et à ses promesses. Il a même dit dans les Saintes Écritures que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et cet Esprit de vérité va toujours vous conduire dans toute la vérité. Et certainement, sa parole est la vérité. Et c'est nous conduit effectivement ce qu'il nous place. Lui-même, qu'il vous rappellera toutes ces choses que je vous ai donc annoncé. Et ce qui devra aussi venir effectivement, parce que c'est Dieu lui-même, effectivement, qui revient pour pouvoir conduire en vérité son peuple. Nous le remercions de tout mon cœur. Du fin fond de mon cœur, je lui suis vraiment reconnaissant lorsque nous pouvons réellement voir sa grâce, comment elle se manifeste à notre endroit. Hier, je pense, j'ai reçu un email de notre jeune frère héritier. Il m'envoie un email parce que j'étais ici, je pense, et je crois que vous avez entendu les événements qui se sont donc passés dans la ville. Comme juste aujourd'hui, après-midi, effectivement, donc, cela. Alors, il m'a envoyé, pendant que j'étais donc là, de l'autre côté, donc, dans mon bureau, mais j'étais sur le papier, je reçois effectivement un email qui me dit, bon, voilà, j'étais dans le train, et j'étais en train de lire et sur Internet, et voilà ce que je viens de voir. C'est vraiment ce que le Seigneur nous a vraiment parlé. Et alors, il m'envoie donc les liens. Et c'est vrai, nous sommes reconnaissants, notre Dieu. Ce que le Seigneur nous dit des choses d'avance, et puis après, nous les voyons s'accomplir. Et alors, hier, il m'envoie donc ces liens en me disant, mais et c'est vrai, je l'ai lu aussi moi-même, ce que, c'était hier qui était sorti, ils ont envoyé, même mis la photo, montrant l'aéroport, on voit en fait une grande quantité, beaucoup de Juifs sont en train de quitter Paris là-bas, et quittent maintenant toute l'Europe. Et la destination, c'est où c'est, il dit, nous devons rentrer en Israël. Et ça, c'est hier, effectivement, que cela est sorti. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un mouvement, comme nous l'avons entendu dimanche passé, je pense que vous vous souvenez, non? Est-ce que vous vous souvenez? Donc, nous disons que les situations, c'est-à-dire qu'Israël doit, aucun d'eux ne fera ça parmi les Paris. Vous vous souvenez, non? Donc, tous doivent rentrer. Alors, c'est un mouvement qui se fait, et qui fait qu'effectivement, que, si vous pouvez les lire, hein, c'est lui qui m'a envoyé ça, c'était hier qu'on a publié ça. Donc ils prennent leurs atouts, en fait, ils prennent les avions, les drapeaux, ils sont beaucoup, hein, et ils sont en train de pouvoir repartir, retourner en Israël. Alors nous devons réellement comprendre que Dieu nous parle, et le Seigneur nous accorde la grâce d'être éclairés. Il ne faut plus qu'on soit négligent quand on est dans la maison de l'Éternel. Il faut qu'on prête attention et qu'on voit. Si Dieu nous accorde la grâce ce matin, nous pouvons voir aussi dans les Saintes Écritures un rapport encore précisément avec ce que nous sommes en train de pouvoir vivre aussi aujourd'hui, ce qui, l'année effectivement, qu'est-ce que cela va réellement, jusqu'où ça va aboutir et qu'est-ce qui va réellement. Parce que nous devons nous attendre à des grands changements. Et nous voulons vraiment être conscients de pouvoir savoir, surtout si nous étions négligents dans beaucoup de choses, c'est un temps où nous devons devenir très conscients. Et surtout quand nous sommes dans la maison du Seigneur, au moment où la parole nous est apportée et que le Seigneur nous parle, nous devons toujours prendre une bonne disposition pour pouvoir réellement être très, très attentif. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit « Votre attention, s'il vous plaît ». J'ai toujours dit ici, vous n'êtes pas des diacres. Ce n'est pas votre service. On ne vous a pas établi diacre. Nous avons deux diacres ici. Ils s'occupent de tels qui rentrent, s'occupent de tels pour placer. Vous, quand c'est le temps de la parole, pour l'amour de Dieu, écoutez la parole. Soyez attentifs. Parce que c'est le temps de notre préparation. Et si vous ne prêtez pas attention, vous verrez que votre vie à vous, elle est toujours stagnante. Elle n'avance pas. Tu es toujours croyant comme tu es croyant. Tu vas toujours louer Dieu, effectivement. Mais ta vie ne va pas changer. Alors, tu as beau entendre la parole de Dieu. Oui, tu vas te réjouir. Mais quand tu reçois, c'est toujours pareil. Il y a un souci quelque part. Et si Dieu nous accorde la grâce que la parole nous soit donnée, ne vous mettez jamais de fleurs sur vos mains en disant « Je suis arrivé, je veux y arriver. » Parce que votre foi peut être aussi une foi vaine.
Donc la véritable foi, elle s'accroche à la parole de Dieu. Et puis lorsque la parole sort, elle écoute, elle s'examine. Elle écoute effectivement, elle revoit effectivement. Est-ce que quand on me dit, est-ce que quand on parle, est-ce que c'est de moi, quelle position j'ai, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui va se passer avec moi? C'est douloureux, frères et sœurs. Et je pleure pour cela, j'ai dit, ce serait triste, mon frère et ma sœur, que d'être assis dans un endroit comme celui-ci, d'entendre la parole de Dieu, que la finalité, tu sois en enfer. Donc s'il y a trois sortes de croyants dans un rassemblement, de quel côté toi tu veux? Parmi les trois, le croyant, le soi-disant croyant ou l'incrédule. Parce qu'il faut que chacun quand même puisse se positionner, se voir quand même dans cela où est-ce que nous sommes. Si Dieu nous accorde la grâce d'entendre sa voix et que nous continuons effectivement à pouvoir être si distraits comme cela, ce n'est pas très beau. Alors, il y a, je crois que c'était la fois passée, je pense que c'était jeudi, j'ai dit que nous avions, il y avait une deuxième question. Tiens, je vais le voir juste quand je partais. Mon regard passait par là, parce que je vois, et puis il y a un petit visage quelque part là. Et bien, il y a une jeune fille qui est ici dans la salle. Je voudrais que cette jeune fille se lève. Elle est là-bas dans le fond. Lève-toi, mon grand. Elle est là-bas dans le fond. Là-bas. Lève-toi. Je vais voir. Bon, tu me caches un peu la caméra. La voici. Lève-toi. Mais j'aimerais bien que tu viennes devant, peut-être. Viens comme ça, on te voit mieux. N'aie pas peur. On peut t'accompagner par tes amis si tu veux. Accompagne-la. Viens par ici. Venez. Viens là-bas. Oui, viens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh là là. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Mets-toi là. Hein. On te voit bien. Voici cette jeune fille. Que Dieu te bénisse. Vous savez qui est-ce qu'il a amené? Non, levez-vous, vous qui l'avez amené ici. Que je vous vois bien par ici. Levez-vous. Voilà. Mais venez d'être par ici, on va peut-être bien vous voir. Parce que dans le fond, on ne vous voit pas bien. Il faut que vous veniez ici toutes les deux. Avancez un peu plus vite. Merci beaucoup. Oui, c'est bien, même si il n'y a pas de problème. Mets-toi par là. Vous connaissez les deux ici? Oui. Un autre jeune, bien sûr, pas de problème. Je vois que le ceci faisait mal au pied. Voilà. Alors j'étais assis dans mon bureau, je pense que c'était un mercredi, j'ai quelques jours, et puis j'entends que quelqu'un me dit bonjour. Et c'était qui? Donc les deux ici, avec la grande fille ici, la jeune ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc à l'école, ils ont parlé ensemble, et là, ils ont désiré de venir voir l'endroit où elle prie. Et non seulement elle a eu des idées de vie, elle a pris effectivement, mais elle a voulu aussi nettoyer avec elle. Donc cette vie que vous voyez ici, elle a nettoyé cette salle. Et quand elle a entendu chanter effectivement la chorale, son cœur dit, mais je vais aussi venir, je vais aussi chanter. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Nous allons prier pour elle. Précieux Seigneur, nous voulons te dire merci. Nos cœurs sont touchés quand on veut voir ses enfants perdre dans un temps comme ça, et qu'elle a fait aussi la promesse de venir dans ta maison, Seigneur. Bénis cet enfant, mon bien-aimé Père Saint. Souviens-toi de son âme. Que ton ange à toi puisse veiller sur elle, mon sauveur. Oh Dieu, il est encore jeune père. Et mes deux jeunes enfants, si bien-aimé Père du sang, et aussi l'amener aussi, mon bien-aimé Père Saint. Que tu le bénisses richement. Que tu le fortifies encore davantage. Que ton ange à toi agisse encore davantage, mon roi. On ne pas faire que ton peuple avance et que nous puissions voir ce cœur qui a été touché. Amen, à ton Père. Puisse-tu la protéger et sa famille aussi, mon bien-aimé Père Saint. Mais c'était une aussi, mon Père Seigneur, pour la grâce, mon roi. J'ai ainsi prié. Au nom du Seigneur, et sur toi, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, vous allez vous asseoir. Comme je le disais donc, le jeudi, je pense, je dis que j'avais une question qui m'avait été posée, et aussi, il y avait aussi une deuxième question et qui m'a été posée. Et je pense que cette question, elle est vraiment importante aussi, parce que, et donc aussi en rapport avec ce que notre frère m'a dit hier, en rapport avec ce qui se passe avec Israël. Voilà donc cette question, c'est notre sœur Sarah qui m'avait posé cela il y a quelques jours de cela. C'était en fait la période où j'avais eu la question. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que le troisième temple sera construit avant ou juste après l'enlèvement? Donc, soit avant ou après l'enlèvement, donc juste après l'enlèvement, sera-t-elle construite? Donc, à quel moment, en fait, le troisième temple sera donc construit, avant ou après l'enlèvement? Est-ce que nous verrons juste le début de la construction et pas la fin? Qu'est-ce qui va se passer avec les temples et la mosquée Al-Aqsa comme question? Donc c'est un peu trois questions dans
lorsqu'il a eu à pouvoir exprimer comme cela. Je pense que c'est tout de même important que nous soyons quand même éclairés à ce sujet, parce que c'est quelque chose qui est aussi en rapport avec nous. Quand je dis en rapport avec nous, il s'agit que vous compreniez très bien que c'est en rapport avec le peuple de Dieu, en rapport avec les élus de Dieu, que ces choses, effectivement, aussi se mettent en place. Si nous réalisons, effectivement, comme nous l'avons entendu du quoi dimanche passé, en rapport avec le temple d'Israël, c'est-à-dire le troisième temple qui sera donc construit, je priais que Dieu accorde la grâce et accorde la grâce, effectivement, pour que vous qui étiez donc ici, vous ayez quand même gardé ou entendu et puis vous souvenez encore de ce que nous avons eu à pouvoir lire et aussi de la manière dont le Seigneur nous a montré dans les Saintes Écritures pour que nous ayons donc l'assurance et la certitude qu'effectivement que ce temple devra réellement avoir lieu. Alors ce n'est pas quelque chose à pouvoir considérer comme étant à prendre comme cela à la légère. Non, ça a une très grande importance, effectivement, dans l'action de Dieu en rapport avec l'histoire, effectivement, de l'humanité. Parce que si vous remarquez très bien, il y a un peuple avec lequel Dieu a d'abord commencé, auquel il a instruit, il s'est vraiment donné, c'était le seul peuple sur la terre, et auquel il a réellement aussi donné de lois et une structure, et auquel il veillait certainement sur ce peuple, il fallait qu'il puisse arriver à pouvoir réellement placer, avoir un endroit, parce que Dieu que nous savons, que nous aimons, que nous servons, c'est un Dieu qui aime être adoré. Donc, il nous a donc créé en tant qu'homme pour que nous puissions vraiment l'adorer. C'est-à-dire que la passion de l'homme ou de la femme ne doit pas être son mari, sa femme, ses enfants, son travail, mais la passion de l'homme ou de la femme, c'est son Dieu. Amen. D'abord, Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ avait donc répondu la question qui lui avait été posée par les scribes, et quel est donc le premier ou le plus grand de tous les commandements, parce que nous avons les 10 commandements. Dites-nous effectivement quel est le plus grand que nous pouvons considérer comme étant que celui-là, si nous l'avons, évidemment, nous savons que réellement c'est ce que Dieu veut. Alors il dit, mais voici le premier et le plus grand de tous les commandements. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. Donc il a dit, bien, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma part. Donc d'abord, ça, c'est déjà quelque chose de très important. Puis il dit, mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Donc, voyez-vous que quand on parle de tout son cœur, ce qui veut dire que d'abord l'absolu en toute chose, c'est Dieu. Amen. Donc toutes les décisions que je dois prendre, effectivement, je ne dois pas le prendre comme je le veux, mais c'est d'abord Dieu que je dois consulter. C'est pourquoi nous instruisons nos enfants, nos jeunes frères et nos enfants qui grandissent. C'est merveilleux de pouvoir voir ce que nos jeunes enfants ici peuvent parler aussi à leurs jeunes enfants, parce qu'on leur a mis aussi les classes, effectivement, et qu'ils soient venus aussi. Dit qu'il y a effectivement un travail qui doit être fait pour que nous comprenions d'abord ce qui est très important pour nous. C'est que d'abord, lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, ceux qui sont aussi au milieu de nous le voient aussi. Donc, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être, et de toutes tes pensées. Donc, effectivement, ça, c'est ce que Dieu attend réellement de l'homme. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ dit, mais voici donc le second, qui lui est réellement aussi semblable, ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de pouvoir faire, ce qui est ramener à un cœur une même âme, effectivement. C'est cela, effectivement, tu es d'abord et puis l'âme qui vient ensuite. Donc, c'est ce que ce Dieu attend, qu'il puisse être aimer de tout le corps, être adoré, servi. C'est comme cela que les choses ont été faites, comme vous pouvez le voir dans le Saint-Écriture. Et voilà que là aussi, le premier temple avait été donc construit, si vous vous souvenez très bien. Et pourquoi, effectivement, cela a été construit? Parce que c'était le désir de Dieu. Hein? Le Seigneur avait ce désir, effectivement, pour qu'il soit adoré, et qu'il avait mis aussi
dans le cœur, vous vous souvenez effectivement, si vous vous souvenez encore, je suis pris pour que cela soit ainsi dans votre esprit, de quelle manière cela s'est passé, ce qu'il y a eu un homme qui aimait Dieu et que Dieu aimait de tout son cœur, parce que David est un homme selon mon cœur. Vous vous souvenez? Amen. Et cet homme, selon le cœur de Dieu, il a prouvé qu'effectivement, qu'il aimait Dieu. Il dit même dans le psaume, il dit, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon ses pensées? Non. En se dirigeant selon ta parole. Il dit, mais je sais ta parole. Donc c'est merveilleux, hein? Afin de ne pas pécher contre toi. Et cet homme, effectivement, a eu donc dans le cœur le désir de construire. Pourquoi? Parce qu'il a regardé, effectivement, que ça allait le tabernacle. Et puis, bon, de construire un lieu pour l'éternel sous Dieu. Je veux que vous prêtiez attention, c'est pour que la suite que les questions nous déposées, vous puissiez bien les saisir. Vous comprenez? Alors, c'est comme cela que lui, ayant donc le désir de pouvoir construire, effectivement, le tabernacle, et voilà. Le Seigneur a eu à pouvoir permettre que cela soit fait. Et c'est là, ça a été construit ainsi. Et puis bon, les années sont passées, ainsi de suite. Et je pense que quand Salomon est venu, Salomon a bâti donc le temple, comme le Seigneur l'avait réellement dit et ordonné aussi. Et les choses ont été telles que le peuple d'Israël pouvait prier, comme effectivement il avait dit aussi. La prière qu'il avait donc adressée au Seigneur, que cette prière a été donc entendue. Et si vous remarquez très bien, parce que la question de pouvoir voir effectivement si le temple sera construit, et dans le temps dans lequel nous nous trouvons, et puis nous allons le voir, ou soit ça sera après l'enlèvement, et puis qu'en sera-t-il avec, je pense, la mosquée d'Al-Aqsa? Je trouve effectivement, je ne comprends pas pourquoi la question est en rapport avec mosquée d'Al-Aqsa, est-ce que nous verrons le temple ou pas? Alors vous avez remarqué que quelque chose s'est passé. Dieu qui fait les choses, il ne fait jamais les choses par hasard et pour rien du tout. Le grand problème avec l'homme, c'est la distraction. L'inattentive en fait à l'endroit des choses de Dieu. Ne soyez jamais, jamais. Et surtout quand nous sommes conscients que Dieu est au milieu de nous, il faut prier beaucoup pour que cet esprit en fait de distraction ou d'habitude de pouvoir dire bon, ça va se passer et puis à ce moment-là ça va revenir comme ça, que cela puisse quitter l'homme. Pour que ce qui est en nous, comme l'avons entendu, je dis effectivement, puisse bénéficier. Parce que pour que tu sois en bonne santé, ma soeur, tu as besoin de pouvoir manger. Si tu ne manges pas, tu vas maigrir, tu vas perdre des vitamines, tu vas avoir des problèmes. Si ton immunité, effectivement, va avoir des situations, des problèmes, tout vent qui va passer, tu n'en vas pas t'apporter. Donc il faut que tu manges avec des protéines qu'il faut. Mais il y a un homme spirituel qui est en toi, il a besoin de la parole de Dieu. Afin que tu saches que l'homme n'aura pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si tu ne prêtes pas attention à cela, comment veux-tu que l'esprit puisse seulement recevoir et que tu grandisses effectivement? Parce que plus on grandit spirituellement, plus on devient fort dans le domaine spirituel. Alors on peut dominer en fait, parce que le premier enseignement, on peut dominer sur toute chose. Bon. Alors effectivement, nous voyons que Dieu, notre Seigneur, ne fait pas de choses à moitié. Et surtout, ceux qui le servent, effectivement, doivent réellement le connaître, parce qu'on ne sert pas Dieu en désordre, on ne fait pas les choses de Dieu en désordre, c'est parce que c'est Dieu est vraiment un Dieu d'ordre. Lorsque, effectivement, Salomon devait bâtir, effectivement, le temple, mais il n'a pas été, en réalité, lui-même chercher et ce qu'il doit faire et comment il doit arriver à pouvoir le faire. Non. L'emplacement même du temple, ce n'était pas Salomon qui l'a choisi. L'emplacement du temple était le lieu que Dieu lui-même avait donc choisi. Et c'est Dieu, lorsqu'il avait choisi, il avait donc utilisé Abraham. Et deuxièmement, effectivement, le fils d'Abraham, qui était donc David. Regardez, dans le livre de Genèse, vous vous souvenez,
voulons lire avec vous au chapitre 22 d'abord là-dessus. Genèse chapitre 22, je pense que c'est cela. Genèse au chapitre 22. Verset 1, il dit, Genèse 22, verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Vous l'avez déjà vu? Ce n'est pas le lieu que Abraham lui-même avait choisi. Non, pour ce sacrifice, pour ce que Dieu voulait, effectivement, c'est Dieu qui lui a montré le lieu, l'endroit que Dieu voulait. Il dit, mais va-t'en donc au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que tu choisiras. Non, que je te dirai. Donc, c'était donc le choix de Dieu, n'est-ce pas vrai? Donc, dans 2 Samuel, effectivement, ça aussi est écrit aussi, dans 2 Samuel, je pense que c'est cela. Dans 2 Samuel, au chapitre 24, nous lisons ici, verset 1 dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était donc chef de l'armée, qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi monseigneur le voient. Mais pourquoi le roi monseigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. Ainsi de suite, nous arrivons au verset 10, il dit, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Et Gad alla vers David, et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc, c'était donc l'Éternel qui l'envoyait. David répondit à Gad, il dit, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvana, les Jebusiens. Vous entendez ça? L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvana, les Jebusiens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, je péchais, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ces jours-là, Gad vint auprès de David, donc Gad le prophète. Il vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arvana, le Jebusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait compris que c'était Dieu qui lui a fait savoir, effectivement, par la bouche de son prophète, ce qu'il devait faire. Vous suivez? Verset 20, il dit, Arvana regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arvana sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre.
Avenant dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air. Vous savez ce que c'est que l'air? Amen. C'est une surface de place. Hein? C'est une place en fait. Vous parlez donc, c'est ce qu'on appelle pas. Alors dit, bon, alors là dit, pourquoi mon serviteur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Avenant dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Avenant donna le tout au roi. Et Avenant dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Avenant, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, car je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'est extraordinaire. Amen. Donc il faut que je fasse quelque chose pour Dieu, quelque chose qui m'a coûté, donc moi j'ai senti que ça, ça vient de ce que j'ai pris, je l'offre de tout mon cœur à ces dieux. Est-ce que vous comprenez? C'est, bon, on continue. Il dit, et David acheta l'air, les bœufs, pour 50 sicles d'argent, et David bâtit là un hôtel à l'Éternel, et il offrit les holocaustes, des sacrifices, l'action des grâces. Alors l'Éternel fut donc apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Amen. Amen. Donc dans deux chroniques, je pense, deux chroniques, nous l'avons déjà lu ici, je pense, Pierre, deux chroniques au chapitre 3. Verset 1. Je pense que ces écritures, nous les avons déjà lues, mais il y a peut-être un bon temps. On lit encore. Verset 2, Chroniques, chapitre 3. Verset 1 dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, pas autre part, non? Vous vous souvenez, non? À Jérusalem, non? Sur, où c'est? La montagne de Moridja qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'heure d'Orna le Jébusien. Donc ici on parle d'Orna, mais c'est bien Avna aussi le Jébusien. Il commença à bâtir. Donc en fait, quand l'Esprit de Dieu est dans un homme que Dieu ou dans une femme que Dieu conduit, il le conduira toujours dans toute la vérité. Amen. Donc, il ne pouvait pas aller bâtir. C'est pour ça même l'apôtre peut dire, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Donc, le fondement qui a été donc posé, donc là, et c'est comme ça, et l'endroit choisi par Dieu, c'est l'endroit qu'il fallait réellement bâtir en réalité. Le temple. C'est comme cela qu'il a commencé à pouvoir bâtir le temple, ainsi de suite. Et puis, il a terminé donc le temple, comme il a fait la prière. Mais, vous vous souvenez qu'effectivement, que Dieu est un Dieu très jaloux. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu respecteras seulement mes commandements, ainsi de suite. Mais Israël n'est pas resté, effectivement, dans la position de la parole de Dieu, au temps donc de Jérémie. Donc, effectivement, vous vous souvenez, effectivement, dans le livre des traces, on a venu, effectivement, dans le livre, effectivement, tout à l'heure. Donc là, ils n'ont pas pu respecter, effectivement, le principe, effectivement, la parole et l'adoration. Il fallait, effectivement, donc, à ce moment-là, qu'il s'est passé que Dieu, notre Seigneur, donc, a envoyé, effectivement, Nebuchadnezzar. Vous connaissez Nebuchadnezzar? Ça vous rappelle Daniel, n'est-ce pas? Le roi de Babylone. Ce roi est venu effectivement, c'est pour ça qu'on a parlé effectivement de la captivité, de la déportation qui devait durer 70 ans. Vous vous souvenez? Alors Cananien venait pour se mettre 70 ans. C'est pour ça que les autres ont été déportés, donc effectivement, alors là, c'était donc effectivement aussi la destruction, ce qui était donc là, et que comme le Seigneur avait dit aussi que Nebuchadnezzar, il donne en fait une autorité, surtout, je vais vous lire dans Jérémie au chapitre 27, regardez. Jérémie chapitre 27, verset 1. Je pense que c'est... Jérémie chapitre 27, verset 1 dit, au commencement du règne de Josaphat,
fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut donc adressée à Jérémie, la part de l'Éternel en ses mains. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi donc des liens et des joues et mets-les sur ton épaule. Envoie-le au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Amon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sidias, roi de Juda. Et tu leur donneras mes ordres pour leur mettre en disant ainsi. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. C'est merveilleux, hein? Amen. Donc notre Dieu fait ce qui lui plaît. Amen. Il est tout ce qu'il y a sur la terre. Est-ce que vous suivez? Amen. Tout ce qu'il y a sur la terre m'appartient. La terre, c'est pourquoi je dis qu'il a dit de tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Le croyant était c'est quelqu'un qui est un privilégié. Il faut qu'il connaisse effectivement ce que son Dieu fait. Donc tout ça, je les ai fait, dit, je donne la terre à qui cela me plaît. Verset 6. Maintenant, je livre tout ce pays, vous voyez bien, tout ce pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il dit bien, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui obéisse. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils. Vous voyez comment Dieu va. C'est pourquoi chaque véritable enfant de Dieu, je l'ai toujours répété, frère, c'est là que ça montre votre nature. Prêtera toujours attention attentivement à la manière dont Dieu parle et ce qu'il dit. Pas dans la distraction, mon frère. Je ne sais comment et combien de fois je dois répéter cela. Parce que nous avançons dans des choses que vous ne voyez pas très bien, mais qui sont devenues maintenant beaucoup plus proches et très importantes pour les véritables fils de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps des distractions. Et c'est aussi là que j'ai toujours dit, parce qu'un jour viendra où vous partirez. Vous ne direz jamais, Seigneur, je ne les savais pas. Tous ceci, vous les entendez. Étant ainsi, parce que non seulement ici, vous êtes là, comme je dis, mais ce n'est pas seulement ce que tu dis, ok, je prêche. Mais beaucoup de par le monde sont aussi connectés, et aussi c'est envoyé, et les gens peuvent suivre aussi. Dieu touche le cœur de ceux qui sont à lui pour écouter. Donc vous devez prêter attention. Regardez bien, quand il parlait, effectivement, il dit, mais je ne. Imaginez donc, il parlait comme ça, il dit, ah, tout est parti. Il dit, mais. Donc quand il parlait, il savait ce qu'il disait, il dit, mais je lui donne tout. N'est-ce pas? Toutes les nations qui sont sur ce mythe, il a lui, à son fils et au fils de son fils. Écoutez bien. Et puis il ajoute, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et des grands rois l'asservissent lui aussi. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc c'est pour ça que vous pouvez remarquer une chose que Dieu est vraiment du temps. Quand, lorsque Nebuchadnezzar a eu son songe, vous savez, on a cherché même les gens qui n'ont pas cherché. Mais Daniel est venu effectivement avec le songe et aussi avec l'explication. Avez-vous entendu comment Daniel lui a parlé? Dans Daniel, chapitre, avant de dire comment Daniel a dit effectivement, il est très bien. Je crois que Daniel, chapitre 2, vous allez trouver rapidement jusque pour que nous puissions lire. Parce que Daniel, chapitre 2, je crois. Je pense que c'est cela. Chapitre 2. Voilà. Verset 31. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue, de cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, et elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. Et la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient donc d'airain. Verset 32, Daniel 2. Et puis je passe maintenant verset 36. Voilà les songes, nous en donnerons effectivement l'explication devant le roi. Verset 37, il dit, ô roi, vous suivez? Amen. Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Amen. Vous voyez cela? Ça, Jérémie l'avait annoncé. Hein? Et quand cet homme ici, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, il a dit les choses que Jérémie avait dites en fait auparavant, démontrant que ce que Dieu avait dit de Nebuchadnezzar était qu'il allait dominer en fait. Et il a dominé. Amen.
Donc la parole du Seigneur ne peut pas faillir. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc l'arme, il a emporté aussi les ustensiles, effectivement, de la maison du Seigneur. Temple, effectivement, en Babylone. Ça vous rappelle quelque chose, non? Parce que les jours où, je crois que c'était Belshazzar qui donnait la fête des festins, effectivement, et il s'enivrait, il a mis sa main sur les choses du temple. Vous savez, non? Oui. C'est là qu'est sorti Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Une main, n'est-ce pas, qui écrivait au mur. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Est-ce que vous suivez? Oui. Mm-hmm. Tout ça pour que vous puissiez voir, effectivement, comment les choses se sont passées. Parce que Dieu fait toutes choses selon sa parole. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que nous arrivons donc dans le livre des Esdras, où cet homme ici fait part de quelque chose pour que nous puissions voir comment la construction du deuxième temple a eu à pouvoir avoir lieu, effectivement. Esdras, donc, c'est... je crois que c'est cela, vous. Chapitre 1, je pense. Esdras au chapitre 1. Voilà. Esdras chapitre 1, verset 1, il dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Vous vous souvenez encore, non? Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Quand vous dites vous souvenez, vous devez vous souvenir. Hein? Amen. Est-ce que vous vous souvenez vraiment? Amen. La parole que l'Éternel a prononcée par Jérémie des prophètes, vous vous souvenez? Amen. Parce que je pense que... Verset suivant, dit: l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qu'il fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi donc parle Cyrus, roi de Perse: l'Éternel, Dieu de cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qu'il entre vous donc et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez entendu, non? Amen. Donc, Salomon l'avait bâti effectivement à Jérusalem. Vous vous souvenez? Amen. Et là maintenant, Cyrus, il vient maintenant avec ce qu'il a déclaré effectivement. Il dit, parce que vous connaissez le roi des Perses, non? Après la pyramide babylonienne, vous connaissez ce qui s'est passé. Vous vous souvenez? Amen. Vous vous souvenez? Amen. J'ai l'impression qu'on ne se souvient pas. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Après l'Empire romain, c'était donc l'Empire médo-perse. La chute de l'Empire romain, et puis les médo-perses sont venus donc, ils ont donc repris effectivement. Vous connaissez, non? Oui. Nous en avons parlé quand même ici, non? Amen. Nous en avons parlé des quatre empires, non? Amen. Merci beaucoup. Qui c'est qui se souvient pas? Est-ce que vraiment vous vous souvenez? Amen. Parce que j'entends pas les amens, j'ai comme l'impression que ça se pose. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Vous avez vraiment la mémoire de ça? Amen. Qui se souvient vraiment? Lève la main. Vous voyez, hein? Beaucoup, c'est douloureux. Hein? Et pourtant, nous en avons parlé ici. C'est pourquoi je vous invite toujours que quand, même si vous êtes absent, demandez quand même ce qui a été prêché. Pour l'amour de Dieu, frère. Parce que vos frères sont avancés et vous, c'est en train de voir traîner. Peut-être que vous êtes assis là-bas, mais vous ne prêtez pas attention. La pensée était ailleurs. Vous vous souvenez quand on en parlait, effectivement. J'avais même parlé effectivement aussi même de l'Empire grec aussi, non? Amen. Avec Alexandre le Grand, Amen. Avec les divisions de tout cela, effectivement, comment ça s'est éclaté avec Java, quand on voit Java dans les Saintes Écritures. Ça devient loin. Maintenant, on commence à tourner la tête à gauche, à droite. Non, vous devez être là, conscient. Pour comprendre les choses, c'est pour ça. Vous venez, il faut prier, il ne faut pas... Bon, je vis là, puis j'écoute là, puis je vis... Non, non, non. Prenez votre temps pour pouvoir recevoir. Sinon, Satan va se jouer de vous, mon frère et ma soeur. Prenez Jean-Jacques, hein, à propos de la foi. Et des mots aussi croient et tremblent. La différence, c'est qu'ils n'ont pas la parole. Et vous? Alors, voilà que là, il ne fait pas, effectivement, que l'édit, donc, comme Dieu l'a conduit, c'était pas pour qu'il aille bâtir la maison de l'Éternel en Samarie.
C'est bien donc à Jérusalem. Eh bien, il a suivi en Juda. Est-ce que vous vous souvenez? Juda. Et là, que, voilà qui dit que c'est lui qui est de son Dieu, donc monte, et qui d'entre vous est de son peuple, et que son Dieu soit avec lui, et qui monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui qui est donc à Jérusalem. Vous entendez cela? Amen. Et c'est comme cela qu'effectivement que le peuple d'Israël, donc qui était donc là en esclavage, donc parce que vous vous souvenez avec cet homme de Dieu, le fils de Dieu là, qui était là, qui servait son Dieu, Daniel, était toujours en communion avec son Dieu. Quand le temps effectivement de la déportation était arrivé à son terme, le Seigneur a réveillé son esprit pour pouvoir prier, confesser pour son peuple. Daniel, vous vous souvenez? Amen. Quand je vis par le livre, quel livre de Jérémie, non? Vous vous souvenez quand même? Bien sûr, j'aime bien entendre la même ferme. Claire et voici. Sinon, mais j'ai dit, mais j'avance aussi. Ils ne comprennent pas, mon Dieu, comment je vais avancer. Quand vous comprenez, amen ferme. Amen, amen, pas bon. J'entends un amen ici, et puis non, je ne sais pas savoir si vous vous souvenez. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Dans quel livre de Daniel? Daniel 9. Merci beaucoup, mon frère. Daniel 9. On va le lire peut-être pour que peut-être que ces quelques-uns soient sûrs. Daniel 9. Daniel chapitre 9, verset 10. Daniel chapitre 9, verset 10. Vous voyez? La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède. Vous suivez? Amen. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, vous vous souvenez? Amen. Mmh. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler combien? 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont le prophète, dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Vous voyez, donc il a bien vu que c'était dans les livres du prophète de Jérémie que c'était 70 ans, pas comme Ananias l'avait dit. Donc à ce moment-là, il s'est mis donc à pouvoir prier. Et quand il s'est mis donc à pouvoir prier, il est venu tellement très attentif. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu vers lui. N'est-ce pas vrai? Il dit, mais sois attentif, parce que tu as eu un cœur pour les humilier. Alors la parole est sortie. Je viens vers toi pour te l'annoncer maintenant, afin que tu voies, que tu comprennes ce qui va se passer. N'est-ce pas vrai? Ok. Donc, nous retournons dans l'Esdras, effectivement, pour que nous puissions voir cela. Alors, ce qui fait que, dans les Saintes Écritures, lorsque le peuple d'Israël devait donc rentrer, donc, quitter donc la déportation, comme le temps marqué par Dieu était donc arrivé, donc personne donc, puisque c'était la parole de Dieu. Quand Dieu déclare une chose, lorsque le temps arrive, effectivement, personne ne peut résister. Toute la nature entière elle doit se mettre au diapason pour que réellement que tout se conforme à la volonté de Dieu. Donc, il avait bien dit 70 ans, et quand Cyrus est venu, effectivement, à devenir roi, évidemment, c'était le temps, donc le cœur de cet homme était donc tourné pour, en fait, que l'écriture de Dieu s'accomplisse, que le peuple rentre chez lui. C'est ça, les juifs. Vous comprenez ça? Donc, le peuple est rentré parce qu'en rapport avec la prophétie, la parole de Dieu, pourquoi, effectivement? Mais pour bâtir la maison de l'Éternel. Où c'est? Mais c'est à Jérusalem, en Juda. N'est-ce pas vrai? Alors, comme ils sont donc sortis avec, au temps d'Esdras, effectivement, tous sont partis, et qu'ils devaient retourner, effectivement, pour bâtir la maison, et pour que nous puissions comprendre qu'effectivement que c'était donc l'Esprit du Seigneur, pas l'Esprit de l'homme qui conduisait, quand ils sont rentrés, regardez comment ils ont réagi effectivement pour pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Parce que si c'est l'homme, il peut dire, bon, ben, on a maintenant des choses à pouvoir faire, voici comment on va adresser les choses, mais l'Esprit du Seigneur conduit toujours selon la pensée et la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen. Dans le livre de Esdras, nous prenons le chapitre 3, je pense que c'est cela. Non, chapitre 2, je pense. Chapitre 2 d'Esdras. Parce qu'il y a des nombres ici. Chapitre 2 d'Esdras, il dit ceci. Verset 64. Il dit, l'assemblée toute entière était de 42 360 personnes.
sans compter leurs serviteurs, leurs servantes, au nombre de 7337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets et 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Vous suivez ? Je lis encore, verset 68. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Pourquoi ? Afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Donc, effectivement, il devait chercher les anciens fondements, là où le temple était bâti par Salomon, pour qu'il rebâtisse, effectivement, le deuxième temple sur ce fondement-là. Pas un autre lieu, mais le lieu, pourquoi ? Parce que c'était le choix de Dieu. L'endroit était l'endroit que Dieu avait choisi. Donc il fallait retrouver, même si on rentre à Jérusalem, mais pas un autre endroit, parce que Jérusalem n'était pas, pas un autre endroit, mais l'endroit que Dieu avait vraiment indiqué, où David avait offert établissement un hôtel, qu'il avait offert effectivement, et là où Salomon a bâti les temples, c'était le Dieu, les lieux que Dieu avait choisi. De même, il avait fait aussi avec Abraham. C'était la montagne que Dieu avait voulu, c'était aussi le lieu que Dieu avait choisi. Et c'était la même chose avec aussi David, la même chose avec aussi Salomon. Donc, pour ceux qui rentraient maintenant, effectivement, qui sont dans la déportation, effectivement, maintenant, ils devaient rebâtir, pas selon leur propre pensée ou l'endroit qu'ils auraient aimé que ça soit, non, mais dans l'ancien endroit, sur le même fondement. Donc, ils ont cherché, effectivement, pour déblayer jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé quoi? Le fondement. Alors, pour le troisième temps, si vous voyez effectivement ces deuxième temple, effectivement, à pouvoir être celui qu'on a eu, à pouvoir voir jusqu'à l'extension de cela, au temps de Hérode, effectivement. Vous connaissez encore au temps où le Seigneur était sur la terre. Vous vous souvenez quand même? Amen. Vous vous souvenez? Amen. C'est ce deuxième temple-là qui a été détruit, qui avait été détruit par Titus en l'an 70. Vous savez tout. Vous remarquerez très bien que le premier a été bâti effectivement sur le lieu que Dieu avait donc recommandé. Et puis le deuxième n'a pas été déposé quelque part d'autre en Jérusalem. Parce que c'est quand même en Jérusalem, on peut le bâtir n'importe où. Non, ils ont été sous l'ancien fondement. Ils ont d'abord déblayé effectivement, ils ont retrouvé là. Et puis c'est là qu'ils ont réellement posé les fondements pour le deuxième temple. Mais maintenant pour le troisième aussi. Pour le troisième, comme nous l'avons vu, effectivement, d'abord le premier, c'est que ce peuple était donc dans la captivité. Dieu devait leur faire sortir de cette captivité et les ramener dans leur pays, n'est-ce pas? Et dans leur pays, maintenant, ils devaient maintenant la chose qui brûlait leur cœur, effectivement, parce que c'est un peuple qui n'est pas comme tous les autres peuples, c'est un peuple qui a son Dieu à lui. Amen. Donc, la première chose pour Israël, c'est l'adoration de ses dieux. Amen. Alors, maintenant, pour le troisième maintenant, puisque il faut que ce temple soit rebâti, le Seigneur a montré effectivement que de la même manière qu'il a fait sortir effectivement les autres effectivement de la captivité, il a fait aussi la même chose parce que en l'an 70 avec le Romain Titus, effectivement, quand on a détruit effectivement le temple, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de ce qu'on appelle la diaspora juive, donc la dispersion du peuple d'Israël sur toute la face de la terre. Vous connaissez cela, on en a parlé. Amen. Donc, maintenant, il a dit, moi qui ai dispersé Israël, Jérémie 31, je le rassemblerai comme un berger rassemble effectivement son troupeau. Je prendrai l'un de tels pays, effectivement, nous l'avons entendu dimanche passé, effectivement, je le ramènerai effectivement dans leur pays. Et là, je serai au milieu d'eux et mon sanctuaire sera donc au milieu d'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? Donc, s'ils reviennent, et que maintenant, comme nous l'entendons aussi, comme nous l'avons aussi remarqué, le désir maintenant, c'est que Israël puisse rebâtir son temple. D'abord,
pour que cela puisse arriver à pouvoir se faire. Ce qui est tellement que ce que Dieu dit, hein, qu'il faut que ça soit une nation. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce qu'avant, c'était donc le royaume. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Vous vous souvenez? Amen. Maintenant qu'ils ont été dispersés, même Israël n'existait pas. Donc maintenant qu'ils sont rentrés, on ne parle pas du royaume d'Israël, du royaume de Juda. Amen. N'est-ce pas? Parce que vous suivez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, on ne parle pas du royaume d'Israël, ni du royaume de Juda. On parle de la terre d'Israël. Vous entendez cela? Donc, ils sont rentrés. Il faut que nous prêtions attention pour que nous puissions comprendre comment Dieu fait les choses. Alors, maintenant qu'étant donc rentrés, effectivement, et si vous remarquez très bien ce qui se passe aujourd'hui, ce que Israël est comme tous les autres pays. C'est encore un pays qui est là et qu'on voit tous les homos, tout ce qu'on voit hier. Donc, ça se passe là. Donc, c'est-à-dire que ce que Dieu cherche, parce que avec les nations, ici, Dieu cherche des individus. Amen. Mais avec Israël, Dieu va traiter avec Israël en tant que. Donc la nation d'Israël, celle effectivement qui se retrouve en retour effectivement de l'unité de sa foi. D'avoir effectivement un seul Dieu auquel effectivement ils doivent se référer. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc effectivement, maintenant, il s'est fait qu'ils sont donc rentrés dans le territoire. Et quand ils sont rentrés dans leur territoire, nous comprenons qu'il y a une relation entre l'histoire d'Israël avec l'histoire des nations. Vous vous souvenez? Parce que Dieu, quand il a été donc rejeté le Messie de l'autre côté là-bas, il s'est tourné vers les nations pour choisir du bien d'eux un peuple qui porta son nom. Parce que la question était, est-ce que nous verrons la construction du temple? Parce qu'il y a une relation entre à Israël et nous, en fait. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Donc, si Dieu traite avec les nations, il ne peut pas en même temps traiter aussi avec Israël. Donc, il faut d'abord qu'il ait terminé avec les nations pour que maintenant il se tourne vers Israël. Et ça, c'est compris, ça. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Okay. Pourquoi l'Écriture parle, il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et quand je vous ai dit l'autre fois un peu dans ce bâtiment, j'ai dit, mais quand il est parlé du temps des nations soit accompli, je vous ai montré effectivement qu'on avait extrapolé, mais j'ai dit qu'il est en rapport avec les derniers qui doivent entrer. Parce que lorsque le dernier sera entré, alors, l'Esprit du Seigneur n'a plus rien à faire sur les nations. Parce que s'il est encore sur les nations, c'est parce que jusque aujourd'hui, il continue à pouvoir chercher les derniers pour qu'ils puissent entrer. Une fois qu'il est entré, entrez-vous effectivement dans le corps de Christ. Alors, maintenant, remarquez une chose. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il avait été donc donné ce qu'on appelle dans les Saintes Écritures de l'année 9, effectivement, 70 semaines de Daniel pour le peuple de Daniel. Vous suivez? Le 69 semaines déjà accompli. Vous vous souvenez encore? Il reste donc une semaine. Regardez. Pour que Israël puisse arriver à pouvoir réellement bâtir son temple, il faut d'abord effectivement que le peuple puisse avoir aussi un cœur uni. Vous vous souvenez? Un cœur uni, et qu'ils aient effectivement aussi le désir de croire effectivement que cette terre dans laquelle ils se trouvent, ce n'est pas une terre effectivement des laïcs, des gens qui font n'importe quoi. C'est une terre de promesses. Une terre qui appartient à Dieu. Le pays d'Israël n'est pas comme tous les autres pays dans lesquels nous habitons. Non. Ça, c'est la terre d'Israël, c'est la terre de Dieu donnée à un peuple. Pourquoi? Mais pour que ce peuple-là puisse servir ces dieux-là, pas autre chose. Et le Seigneur leur avait dit, effectivement, vous ne suivrez pas la coutume des nations comme nous. Non, vous suivrez mes lois. Voilà comment vous devez faire, effectivement. N'imitez pas les aventures des autres. Non, non, non. Vous, dans cette terre-là, vous êtes comme ceci. Et si vous ne le faites pas, je vous expulserai de ma terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ils doivent revenir à cette
foi, effectivement, de réaliser qu'effectivement, qu'il n'y a qu'un seul Dieu auquel ils appartiennent. Et cette terre n'est pas une terre au bas de discothèque, de ceci, de cela. Non, c'est une terre sainte, effectivement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, mais en réalité, donc, à ce moment-là, d'abord, ce qu'ils réalisent, effectivement, c'est que, puisqu'ils sont un peuple de Dieu, ils doivent avoir, effectivement, un lieu d'adoration. C'est de pouvoir arriver à pouvoir réellement, maintenant, bâtir leur temple. Mais voilà que, il y a une chose que vous devez comprendre. Depuis la diaspora, effectivement, et quand Israël est venu, il y a des tournoiements entre les Israéliens et les Arabes. Un problème avec les Palestiniens, comme vous le voyez effectivement, et la tension est telle que quand ils sont même rentrés, il y a eu seulement une partie parce que les pays arabes, effectivement, ont eu à pouvoir prendre place, possession, effectivement, de lieux saints, comme Bethléem, ceci, cela, ça va, vous connaissez, non? Donc, et même Jérusalem, effectivement, était un problème parce que, jusqu'à ce jour, ça demeure toujours un problème, effectivement. Ils ne reconnaissent pas Jérusalem comme étant la capitale, effectivement, d'Israël. Mais on lui a donné, effectivement, Tel Aviv. Est-ce que vous suivez? Amen. Alors, si vous regardez les scènes, c'est que je pense à Pharaon, c'est effectivement, Dieu a dit, Jérusalem restera à. Vous connaissez? Amen. J'ai entendu ça ici. Amen. Jérusalem restera à Jérusalem. Amen. Donc, Dieu savait ce que les nations allaient projeter. Amen. Il a dit Jérusalem, parce qu'il quand même, Jérusalem restera à Jérusalem. Amen. Ce que Dieu savait qu'on voulait diviser. Amen. Donc, effectivement, regardez une chose qui est très importante. Ce que... Donc, aujourd'hui, comme nous pouvons le voir, effectivement, avec les combats, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Les Arabes, en fait, ils ont quelque chose qu'ils ont eu à pouvoir faire. Et c'est cela, c'est que on voit comment l'ennemi fait les choses. Si vous regardez, par exemple, la carte, en fait, mon frère il défonce, viens s'il te plaît, viens vite. Tu vois dans mon bureau qui est ici, là, tu rentres là, vers le mur, j'ai oublié cela, il y a une carte là-bas, il faudra me l'amener, qui est accrochée là-bas au mur, là-bas, une carte un peu comme cela, un peu rétablie. Je vais vous montrer quelque chose. Ce que, aujourd'hui, actuellement, c'est là que j'ai dit, ne trouvez pas, c'est pas de l'histoire que vous entendez ici, c'est la réalité, le plan, le programme d'aujourd'hui, comment les choses de Dieu avancent depuis les temps jusqu'à aujourd'hui. En fait, notre calendrier, en fait, notre programme, notre journal, c'est bien celui-ci, en fait. On doit prêter attention pour que nous sachions mais pourquoi même aujourd'hui on a des situations comme on entend aujourd'hui. Pour ça, j'ai dit que prêtez attention parce que vous allez arriver, si Dieu me permet d'avoir le temps, je vais vous le montrer. Donc c'est important que vous prêtiez attention, pas que vous soyez en train de dormir. Non, j'ai dit, si vous vous sentez faible, sortez, faites des gymnastiques, revenez. Mais priez pour que Dieu vous accorde la grâce. Un jour, vous direz, mais cet homme, quand il nous parlait, on pensait qu'il nous racontait des histoires. Oh, c'était Dieu qui nous parlait. Vous l'avez, ça sera trop tard, ma soeur. Trop tard, mon frère. Et c'est vrai. Vous pouvez les noter ce que je vous dis ici. C'est la vérité. Viens avec. Merci, mon frère. Il y a peut-être une petite sujet, pas bien. Tu peux être là. Je lève un peu plus haut. Vous voyez ce que je vois? Vous voyez ici? C'est un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous fait marquer quelque chose là-dessus? Vous ne voyez rien de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? N'est-ce pas? Voilà, chacun de vous, non? Chaque fois qu'on vous montre Jérusalem, qu'est-ce qui vous fait voir cette Jérusalem? C'est la coupole là. Hein? Vous voyez nous tous, vous voyez là. Donc quand vous voyez cette coupole là, c'est identifié Jérusalem. Merci mon frère. Parce que bon, c'est pas intéressant. Regardez. Et donc c'est ça en fait que tout le monde, quand tu regardes, oh cette coupole là, ça s'appelle le dôme du rocher. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que vous voyez, vous remarquez que l'autre fois, il y a eu des problèmes quand Ariel Sharon est monté. On appelle ça maintenant l'esplanade de la mosquée. Donc il est monté cet endroit, effectivement, les pierres ont commencé à ceci, à cela, et même leur ancien président a monté là-bas quand il a commencé une tivada, à cause de cela, pour quelle raison? Parce que cet endroit, effectivement, qu'ils appellent en fait l'esplanade de la mosquée, c'est ce qu'on appelle le mont du temple. Mont du temple.
Donc, quand il y a eu effectivement cette période en réalité, lorsque les Arabes sont venus effectivement avec leur religion islamique, ils se sont vite précipités puisque les temples avaient été détruits par leurs mains. Ils se sont donc précipités effectivement pour prendre occupation de lieux que les temples d'Israël, dont les temples d'Israël étaient donc bâtis, pour arriver à pouvoir dresser effectivement aussi leur lieu qu'ils appellent effectivement les lieux saints, donc Mecque, Médine, effectivement, et troisième, c'est Jérusalem. Donc, ils ont implanté. Alors maintenant, regardez très bien. La question m'a été posée en rapport avec la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a une différence entre le dôme du rocher que vous voyez et aussi la mosquée d'Al-Aqsa. Le dôme du rocher est là et la mosquée est ici. Et tout cela, effectivement, c'est parti effectivement que s'est occupé en réalité. Ça s'appelle effectivement le mont du temple, mais qui est appelé maintenant l'esplanade de mosquée. Donc, ce qui veut dire que quand il y a eu donc partage, suivez, s'il vous plaît. Quand il y a eu donc partage, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, puisque les Arabes avaient déjà leur dôme du rocher, leur mosquée d'Al-Aqsa, donc le mont du temple, la juridiction effectivement islamique, effectivement, donc effectivement, l'autorité islamique, a donc l'autorité, le droit, la responsabilité sur le mont du temple. Vous savez, qui est donc l'Israël et la mosquée d'Al-Aqsa, parce qu'il y a, où il y a le dôme du rocher et aussi la mosquée d'Al-Aqsa. Vous suivez? Alors, puisque ils ont donc cette responsabilité de pouvoir gérer cet endroit, c'est pourquoi vous voyez conflit pour Jérusalem. Parce que les Arabes disent c'est aussi c'est notre capitale, et les Juifs disent non, c'est le nôtre, effectivement. Ils disent mais nous, nous avons notre mosquée d'Al-Aqsa et puis le dôme du rocher. Vous suivez ça? Alors, puisque ils ont donc effectivement la responsabilité de cet endroit, effectivement, pour l'endroit, n'est-ce pas, donc le mont du temple, donc ils interdisent aux non-musulmans de pouvoir monter et entrer dans cette enceinte, effectivement, donc cette place-là. Or, pour que Israël ait son temple et qu'ils puissent rebâtir leur temple, comme nous l'avons entendu avec Esdras, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, ils doivent chercher là où se trouvait l'ancien fondement pour rebâtir le troisième temple. Or, les Arabes disent non. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Quand les archéologues viennent dire, on veut rentrer les fusques pour faire un peu pour trouver. Ah non! Pourquoi? Parce que nous soupçonnons que vous voulez bâtir votre temple ici, afin que vous puissiez maintenant faire en sorte que le nôtre. D'ailleurs, il y a eu un incendie, effectivement, il y a quelques années de cela auparavant, et c'était par quelqu'un qui n'était pas tellement bien, effectivement, parce que je crois que c'était même connu, on n'avait pas parlé, effectivement, de la mosquée d'Al-Aqsa, effectivement, ils ont, les juifs, les musulmans, on peut dire, effectivement, non, mais c'est les juifs ont cherché à pouvoir brûler notre mosquée, parce qu'ils veulent, effectivement, établir leur temple en place, effectivement. C'est pourquoi l'interdiction a eu un pouvoir, effectivement, encore ferme. D'où, effectivement, que quand même, Israël est allé monter là-bas, les combats ont commencé. Donc, il fallait effectivement chercher à ça. Donc, pour que le troisième temple soit rebâti, il faut quand même qu'on puisse arriver à pouvoir retrouver, effectivement, la possibilité de pouvoir fouiller et savoir où ça se trouve. Le fondement pour qu'on puisse maintenant établir le fondement. Mais les Arabes disent non. Vous ne pouvez pas avoir accès. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous voyez, regardez très bien, frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre. Donc, ce peuple-là ne pouvait pas aller bâtir leur mosquée, pas autre part. Ils pouvaient bâtir, mais seulement à l'endroit où le peuple d'Israël avait son temple. Et maintenant que le peuple veut maintenant que son Dieu a lui maintenant puisse retourner en lui qui bâtit le temple, effectivement, eh bien, il y a un frein qui est là. Vous pouvez voir comment Satan. Regardez très bien, frères et sœurs. Quand on vous parle, vous ne suivez pas. Comment Satan est tellement rusé quand Dieu a un programme avec toi et que Dieu sait ce que tu vas faire avec lui et ce qu'il va faire avec toi, Satan a eu à pouvoir voir ce que Dieu fait. Et il sait que dans le temps à venir, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Mais quand toi, tu ne fais pas attention dans la marche dans laquelle tu avances avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu de sa parole. Amen. Amen.
lorsque tu fais un faux pas, tu vas dans le bas-fond. Si tu ne fais pas tellement attention, mon frère, ma soeur, Satan va t'enfoncer encore davantage. Pour que tu ne puisses pas avoir la possibilité de pouvoir sortir. Quand la parole de Dieu vient vers toi et te frappe, et t'amène à la repentance, glorifie Dieu. Amen. Ne sois jamais orgueilleux ni par tes idées. Non, quand Dieu nous parle, frères et sœurs, prêtons attention. Amen. Dieu l'avait dit, il dit, mais Sion, j'ai choisi Sion, j'aime cette main comme un pays. Oui, c'était quelle cette écriture? Pas d'autre endroit. Jérusalem, mais voyez les combats aujourd'hui. L'abomination s'est installée là. Maintenant, qui t'a dit non? Nous avons les lois des nations avec nous. Déracine-toi. Mais c'est vrai, le Seigneur, il est Dieu. Il dit, mais si dans une maison un démon est chassé, et que cette maison reste comme ça, hein, et qu'il n'y a pas un plus fort, un autre qui rentre, donc ça dit que Dieu lui met dans la maison de la personne, ce démon va faire quoi? Il va chercher encore ces démons plus méchants. Il revient pour prendre et dit, mais en fait, que Dieu ne peine plus ici. C'est ce qui se passe. Ils pouvaient bâtir leur mosquée, là, peut-être, je ne sais pas moi, bah, à Gaza, j'en sais absolument rien. Mais là, seulement à Jérusalem. C'est bon. Peut-être Jérusalem, mais peut-être à côté, là-bas, plus loin. Non, là, à l'est de Jérusalem, à cet endroit même. Vous allez vous montrer quelque chose. Cet endroit-là même, là. Pourquoi? Parce que Satan, c'est une chose que la force d'Israël, c'est son Dieu. Amen. La force d'Israël, c'est la prière en la main de son Dieu. Amen. Oui, mon frère, vous ne voyez rien. Vous êtes là, vous dites, oui, frère, les choses n'iront pas comme vous le pensez, ma soeur. Jamais. Les choses vont changer. Amen. Vous serez surpris. Oui, c'est vrai. Dieu nous a accordé la grâce de ne pas être des gens qui sont devenus avec des habitudes. On va. Non, j'ai toujours dit, nous nous préparons, nous ne savons pas quel jour. Qui pouvait penser qu'un jour, Bruxelles serait comme nous sommes aujourd'hui? Vous ne savez pas ce qui vous attend énormément, frère. Vous ne savez pas. Vous pensez que oui, on va tous les jours, et puis ça va aller, et puis on va aller. Non. Il faut faire très attention. Mais surtout, c'est un temps où nous devons bien écouter ce que l'Esprit nous dit. Que nous puissions préparer. Je vais le voir rapidement, frère. J'ai couru vite un peu pour les temps. Donc, voyez-vous que ils ont donc planté donc. Là, et même le loi des nations leur ont donné le droit de pouvoir occuper ces territoires, effectivement. Alors, toi, juif qui monte, tu vas avoir un problème. On te chassera, ils agiront, effectivement, dit, mais c'est le lieu dans lequel nous nous trouvons. Comment peuvent-ils arriver à pouvoir maintenant la possibilité? Parce qu'ils ne peuvent pas construire leur temple en Ouganda. Non, c'est pas en Ouganda, c'est vrai, parce que la mort fait Ouganda. C'est pas en Ouganda. Même pas effectivement du côté de je ne sais pas moi, à Bethléem, mais pas à Bethléem. C'est à Jérusalem. Amen. Pas n'importe où à Jérusalem. À l'emplacement. Bien prévu, effectivement, pas par n'importe qui, par Dieu lui-même. Amen. Donc il faut qu'il revienne sous ces fondements-là. Et sous cet endroit, effectivement, eh bien, on a placé l'homme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa. Et les entours, effectivement, s'appelaient le mont. Et c'est là de la mosquée, qui est le mont du temple. Il faut voir que cet endroit est tout à fait particulier, mon frère. Là où se trouvait le temple. Tu savais pourquoi il avait choisi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 1967, alors que, bon, Israël n'avait pas le droit de pouvoir accéder, et tout ça, et ainsi de suite, parce que les Arabes occupaient, parce qu'il y a donc ce qu'on appelle donc. La division, effectivement, je dis que bon, le partage, ainsi de suite. Bon, la partie des Arabes, la partie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelait la guerre des six jours. On est venu provoquer Israël, le juif. Donc, on voit comment Dieu fait les choses. Hein. Une guerre qui a duré six jours a permis que toutes les armées qui étaient venues attaquer Israël, le Dieu d'Israël, combat pour son peuple. C'est ça que les nations ne comprennent pas. C'est pas possible. Un si petit pays, beaucoup d'Égypte, et ceci et cela, ils ont même couru à pied pour fouiller devant Israël. Ils ont tout détruit, effectivement, contrôlé, jusqu'à ce qu'ils ont maintenant reconquis ce que vous avez maintenant aujourd'hui. Ils ont reconquis maintenant la souveraineté de la Jérusalem. Et vous me suivez? C'est comme ça que vous entendez d'ailleurs l'occupation, ça vient de ce moment-là. Donc, même depuis ces temps-là, en fait, le juif
comme il y a, en fait, l'autorité islamique qui occupe, en fait, qui gère effectivement cet endroit, donc le mont du temple, donc l'année de Marie qui commence avec ça, s'appelle WAKF. Mm-hmm. C'est comme ça qu'ils appellent effectivement Wakf. Alors, ceux, effectivement, qui gèrent effectivement cela et qui maintiennent effectivement toujours la pression. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas longtemps. Les juifs ont commencé à pouvoir manifester quand même les désirs de pouvoir avoir accès quand même à ce monde du temple. On le crée des problèmes, on le rejetait, on le repoussait effectivement, les problèmes des pierres, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a peut-être un an, ou l'année passée, je pense quelque chose comme ça, oui. Donc le gouvernement donc, israélien donc, a pris donc la décision de donner la possibilité aux juifs d'entrer maintenant sur le mont du temple, parce que c'est aussi un lieu qui est consacré comme étant un lieu saint pour eux, pour aussi y prier. Et c'est comme cela que un de groupes, effectivement, a commencé à pouvoir faire quoi? Il a commencé à pouvoir effectivement offrir des sacrifices, des holocaustes, c'est-à-dire faire en fait ce qu'on appelle de fêtes juives, ceci et cela, sur le mont des temples, progressivement, pour clairement que Israël, les juifs, prennent possession de plus en plus de leur lieu. Alors regardez une chose. Qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est que lorsque cette décision avait été prise, il y a des juifs qui étaient très, très, très actifs. Tous les bâtiments, les maisons, les parcelles que les Arabes avaient achetées dans les environs de Jérusalem autour de ce lieu, effectivement, du mont des tables, effectivement, les Juifs ont eu à pouvoir leur proposer de l'argent. Ils ont acheté, les Arabes ne comprenaient pas. Ils ont acheté. C'est pourquoi? Pour qu'ils occupent maintenant eux autour du mont des tables. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà maintenant. Je ne vais pas voter longtemps, mais je vais vous comprendre. Parce que je vois que les autres ne suivent pas tellement très bien, mais regardez très bien. Non, ne l'aidez pas là-bas. Je n'ai pas dit qu'il y a la personne qui ne suit pas. C'est mal à dos. Ils sont partis. Vous ne savez pas où est-ce qu'il est parti. Alors, regardez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé aux Arabes, mais nous voulons quand même faire un peu de recherche pour pouvoir fouiller. Oh non, quand ils ont fait des fouilles en dessous pour le tunnel qui était là, donc ils veulent faire en fait des recherches discrètes pour pouvoir trouver la mort. Ils n'ont rien dit. Maintenant, avec ce qui est comme changement, ainsi de suite. Et donc, les Juifs qui ont trouvé en fait un système en fait topographique au point de vue, je pense, avec les machines linéaires, ainsi de suite. Ils ont essayé. Et maintenant, on avait la possibilité d'avoir accès dans les cités. Alors, ils ont eu à pouvoir maintenant passer au peigne fin, de manière à ce qu'on retrouve quoi? Les fondements où s'est trouvé l'ancien temple, qui était donc là, le premier puis le deuxième, sur le même fondement. Ils ont trouvé les fondements. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ah, voilà. Les diables, vraiment les diables. Vous voyez les dômes du rocher? Eh bien, les dômes du rocher est placé réellement dans l'emplacement où se trouvait le lieu saint. Donc, ce dôme du rocher-là, il y a un rocher à l'intérieur, effectivement, ils appellent effectivement rocher de fondation. Donc, c'est cet endroit-là que lorsque les temples étaient réellement bâtis, l'endroit qu'on appelle le lieu très saint, c'est donc l'endroit-là. Et qu'est-ce que les Arabes disent effectivement? Ah, c'est sur ce rocher-là que Mohamed, lorsqu'il a marché, il arrive à Jérusalem, il arrive sur ce rocher-là, ouf, il a été monté au ciel. Donc il est monté au ciel à partir de Jérusalem sous ce rocher. Alors comme c'est cet endroit-là, eh bien, on met les dômes du rocher. Donc on portait cet endroit. Or cet endroit, c'est vraiment l'emplacement où il y avait donc le temple. Alors là où se trouve effectivement la mosquée d'Aqsa, eh bien, cette mosquée d'Aqsa, effectivement, elle aussi se trouve effectivement à l'emplacement, parce que le temple était quand même assez grand, à l'emplacement où s'est trouvé le temple, effectivement. Donc, et le dôme du rocher et la mosquée d'Aqsa se trouvent effectivement à l'endroit où se trouvait donc le temple. Ah oui, sur les lieux où se trouve les fondements aussi. C'est vrai que les gens disent, mais c'est juste à côté de cela, effectivement. Mais quand on a bien fouillé, effectivement, on dit qu'ils ont placé effectivement les choses là. Et maintenant, nous avons donc les temples, enfin, la mosquée là, l'Aqsa. Et puisque vous avez vu là, c'est les dômes du rocher, vous voyez là. Donc il y a entouré là, effectivement, ainsi de suite. Que faut-il arriver à pouvoir faire? Alors regardez une chose.
question était posée, est-ce que nous verrons effectivement c'est la construction de ces temples dans l'humanité. Regardez ce qui est extraordinaire. Les Juifs, vous voyez le peuple de Dieu, Dieu traite avec eux d'une manière particulière. Sachant l'importance de ces temples, effectivement, il y a un mouvement qui s'est donc élevé là-bas. Le but, c'est quoi? Il faut que le temple. Et chaque fois, regardez bien. Vous connaissez le mur de lamentation? Vous le voyez faire comme ça, non? Vous savez qu'est-ce qui brille? Trois fois par jour. Que ça soit dans ta volonté parfaite. Vous suivez? Que le temple soit rebâti à notre temps. Que ça soit dans ta volonté parfaite. Que le temple soit rebâti à notre temps. Trois fois par jour. Donc ils disent pas dans les temps futurs, mais dans notre temps. C'est leur prière qui s'est effectivement à Dieu. Regardez une chose. Ces hommes, effectivement, avec les choses de Dieu, ils ne sont pas comme nous, en fait, négligents ou cherchant pouvoir faire. En fait, ils ont déjà, c'est extraordinaire, le plan du temple, la maquette du temple. Et si vous voyez très bien, frères et sœurs, comme ils le disent, ils disent, cet temple qui va être bâti sera encore beaucoup plus grand que même l'espace. Parce qu'il y aura encore des espaces, effectivement, selon ce que le Seigneur avait donné à Ézéchiel, comme il l'a rendu, c'est ce sur ce base de mesures-là qui se basent aujourd'hui et même qui se sont basés pour faire le plan du troisième temple qui doit être bâti, effectivement, là-bas à Jérusalem. Mais regardez une chose qui est très, très impressionnante. Alors ils disent, mais si le temple doit être bâti, d'abord il faut qu'Israël soit uni, selon la foi, la parole de Dieu. Et puis, dans le temple, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut que les sacrificateurs offrent des sacrifices, ils doivent les offrir. Nous allons le voir dans cette écriture. Il faut que les sacrificateurs offrent les sacrifices. Alors, avec ce qui s'est passé, comme la diaspora, la séparation, effectivement, de la diaspora, mais tous les Juifs sont répartis devant le monde. Comment? Parce que les sacrificateurs, c'est celui qui est aligné des Lévites. N'est-ce pas? C'est un Lévite. Alors, avec ce qui s'est passé, comment on va savoir que celui-ci est de la lignée des Lévites et ceci de suite? Or, il y a ce qui s'est passé. Quand il y a eu cette diaspora, effectivement, tous les autres Juifs pouvaient changer leur nom. Mais ceux de la tribu des Lévites, gardaient leur nom. C'est pourquoi on entend. Lévi, Cohen, ce sont ceux de la tribu de Lévi. Donc, c'est-à-dire qu'on sait le repérer par les noms qu'ils ont gardés. Alors maintenant, pour qu'ils entrent maintenant en fonction, écoutez bien. Mais que pour que le sacrificateur entre en fonction, puisqu'ils ont été dispersés, Dieu avait dit quoi? Je répandrai sur vous une eau et vous serez plus fiers. C'est vrai, ça. Il faut donc que le sacrificateur soit donc purifié avant de même prendre les choses de Dieu, effectivement, dans les temples, effectivement. Ces gens, ils sont tels de les voir faire. Alors, regardez ce qui est passé, quoi. Bon, pour que ce sacrificateur soit donc purifié, qu'est-ce qu'il faut? Selon les saintes écritures, voilà ce qu'il faut. Nombre 19. Nombre 19. Nombre 19, verset 1 et 10. Vous y êtes? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et qui n'est point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Eléazar qui la fera sortir du camp et on le gorgera devant lui. Le sacrificateur Eléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois, des cèdres, de l'hysope et du cramoisi, et il le jettera au milieu de flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau,
et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Donc il fallait avoir une vache rousse. Mais quand vous parcourez le territoire, vous ne trouverez pas une vache rousse. Donc, ce n'est pas n'importe quelle vache qu'il fallait, mais il fallait trouver une vache rousse. Vous entendez ça? Et aujourd'hui, depuis 2000 ans, je pense que c'est probablement cette année, si je suppose que c'est cela, en Israël est née une vache rousse. La photo est ici. Je vais vous la montrer parce que j'avais aimé ça la voir passer pour vous montrer d'autres choses. Regardez, en Israël, aujourd'hui, ça c'est une vache rousse. Ce que vous voyez ici, de vos yeux, ici, c'est la vache rousse, dont les cendres doivent servir effectivement à la purification des sacrificata. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous pouvez le voir, donc, la vache rousse, et même aux États-Unis, il y en avait une autre produit, effectivement, qu'on avait à pouvoir trouver, ainsi de suite. Mais celle-ci, elle est née en Israël. Une vache réellement rouge, comme vous la voyez, née en Israël, qui doit, en fait, et qui, comme le Saint d'Écriture le prescrivait, effectivement, brûler avec les sangs, tout ça, pour que cela serve, effectivement, pour la purification, avant qu'ils entrent, effectivement, dans les services, et même pour travailler dans les choses qui concernent Dieu en réalité. Mais non! Et pour maintenant le service dans le temple qui doit avoir lieu alors que les autres tombent un tout petit peu. Mais je crois l'avoir dit il y a longtemps peut-être ici, mais en fait, ils ont déjà tout ce qui concerne en réalité ce qui doit être dans les temples. J'ai ici imprimé quelques documents que je voudrais, je demanderai à Frère Ildefonso tout à l'heure, il va les mettre effectivement là sur le pour que vous puissiez voir. Ce ne sont pas des imaginations, mais en fait, c'est reproduit exactement comme les Saintes Écritures, comme cela a été décrit dans les livres des Écritures, comme cela, effectivement, pour les services. Prenons juste un exemple, je vais vous montrer. Voilà déjà les habits, en fait, de sacrificateurs. Vous voyez quelque chose là-dedans, n'est-ce pas? Le pectoral d'or, non? Vous voyez, donc ça, c'est déjà brodé, fait effectivement. Pourquoi? Pour que le sacrificateur, qui doit prendre sa place, trouve effectivement les vêtements qu'il faut. Ils ont même montré, brodé effectivement, comme, vous allez le voir, on va l'exposer, comme les scènes d'écriture l'a dit. Regardez, ce qui est bien, c'est qu'ils ont donné quand même, que ça soit, tu vois, ça c'est la partie comme ça, et même comment les broderies, même avec le col. Ici, c'est la partie arrière, comment ça se présenterait effectivement. Et la partie avant, comment il sera même coiffé, habillé aussi, ces vêtements existent déjà. Et aussi, cette partie ici, la manière dont il se tiendra. Et vous voyez, vous vous souvenez, la tétière, la sainteté à l'éternel. Ils l'ont déjà fait. Donc déjà, ce n'est pas un dessin, c'est vraiment la réalité de choses qu'ils ont déjà fait. Alors, je vais encore vous montrer encore autre chose, mais ça, c'est peut-être une poitrine, effectivement, j'en ai pris. J'ai pris tellement beaucoup de photos, mais attendez, je vais encore vous montrer autre chose. Et on a bien sacrificateur. Ah, mais ce qui est bien, ce que vous allez voir de près, même les boucles, comment cela a été dit dans les scènes d'écriture, ils ont montré hein, comment enchâsser les pierres, les épaulettes, effectivement, ils ont respecté les descriptions des scènes d'écriture comme Dieu l'avait dit, effectivement, dans la parole. Oui, et même comment ça se fermerait, hein, et comment ceci monterait, comment on devait en chasser, ainsi de suite. Vous allez le voir, on va l'exposer là-bas, effectivement. Alors, il y a autre chose, je voulais aussi vous montrer, parce que je suis resté trop sur les sacrificateurs. Alors, voilà. Et, alors, le chauffard, hein, souvenir des temples de leur chauffard, effectivement, donc, tous les instruments qu'on devait souffler, qui sont dits à ces écritures, il y en a encore celui-là. Comme vous voyez, et la harpe, effectivement, excusez-moi par là, je ne vais pas te montrer, mais on voit maintenant. La harpe, effectivement, ce ne sont pas des maquettes. Ce sont des instruments qui sont réellement fabriqués, effectivement, à lire, en réalité aussi, et pour pouvoir foucher ta trois dents, mentionner la presse, mais effectivement, la coupe, effectivement, pour pouvoir prendre les sacrifices, ainsi de suite. Donc, il y en a tellement beaucoup ici, je verrai bien, vous aurez l'occasion de pouvoir voir. Donc, qu'est-ce qui se passe?
ce que quand même vous et moi, nous sommes en train de pouvoir vivre quelque chose. C'est petit, mais c'est grand. Ce que nous sommes en train de pouvoir vivre, en réalité, c'est ce que Israël est en train de pouvoir maintenant mettre sur pied. Le plan. Aujourd'hui, en Israël, il y a un endroit qui est déjà en fait en construction. Et ce qu'ils appellent effectivement, ça fait partie en fait du temple, le lieu effectivement où les Sanhédrins vont se rassembler effectivement parce qu'il y avait un emplacement pour cela où c'est qu'il y a même le code des juridictions pour arriver à pouvoir juger ainsi de suite, comme cela était écrit effectivement dans le livre d'Ézéchiel, cela aussi. Ils ont déjà cela, donc ce livre-là avec autant de... Donc tout ce qui doit, d'une certaine manière, être utilisé dans le temps, est déjà, il est prêt, presque prêt, et même la vraie chose, effectivement. Et le problème maintenant, c'est que c'est quand est-ce que les travaux doivent réellement... Alors, je vais vous montrer quelque chose, parce que la question était de savoir, est-ce que nous verrons le temple, c'est ça, avant ou après, effectivement, l'enlèvement. Je vais vous montrer quelque chose dans les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus a une façon particulière, effectivement, de pouvoir conduire son peuple, et surtout... de réellement nous mettre dans une position pour que nous ne soyons pas en fait des gens dans l'incertitude, mais que nous soyons toujours dans la certitude, et surtout au niveau de notre foi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, que dans le livre de Daniel, au chapitre 9, à partir du verset 23, il y a pardon, 70 semaines de Daniel. Le 69 semaine, donc, sous cela est passé, il reste maintenant la dernière semaine d'Israël. N'est-ce pas vrai? Dans cette semaine, dernière semaine, nous commence que lorsque l'enlèvement de l'épouse a eu lieu. Parce que c'est à ce moment-là, maintenant, que Israël, maintenant, entre dans sa phase où, maintenant, Dieu traite avec Israël. Il ne peut pas traiter avec Israël aussi longtemps que son épouse est encore sur la terre. Est-ce que vous suivez? Amen. Ok. Donc, Dieu se tournera vers Israël quand l'épouse sera partie. Mais qu'en est-il alors du temple, effectivement? Est-ce que l'épouse verra le temple ou pas? Regardez. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, je crois que c'est ça. Dans le livre de Luc, au chapitre 21, je vais vous prêter attention à la lecture que je vais faire. Luc chapitre 21. Lisons à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. Vous vous souvenez à qui est-ce que le Seigneur parlait ainsi? Ce n'est pas à tout le monde, mais c'est à ses disciples. Il leur a pas dit, quand vous verrez Jérusalem détruit, est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investit. Parce que Jérusalem devait être complètement détruit. Mais les disciples devaient d'abord voir les débuts, le commencement, effectivement, de la manière dont le jour.
Parce que quand Titus est venu, regardez très bien, frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre ces choses. Je relis encore le verset 20. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, investie, mais pas détruite. Est-ce que vous suivez? Investie. Il dit quoi donc? Il dit, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient vers les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc ça veut dire que les disciples ont été avertis que lorsqu'ils verraient donc ces signes-là, que réellement cette armée commençait à pouvoir camper autour, ils vont le voir. Parce que pour que leur action aussi puisse avoir des trucs, Seigneur, c'est vraiment le temps maintenant, il faut qu'ils voient les signes que les prophètes ont annoncés. Parce que c'est pour nous aussi, là aussi, un des éléments détonateurs de quelque chose. Bien sûr, mon frère, quand vous verrez donc Jérusalem investi, je reviens encore là-dessus, que celui qui est à l'intérieur, qui le fouille. Donc, les véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas été détruits lorsque Jérusalem était détruite. Est-ce que vous suivez? Amen. Le véritable disciple de Jésus-Christ n'était pas là de voir comment Titus mettait le feu et puis couper la tête, effectivement, à tout ça. Non, ils avaient fui déjà. Amen. Les choses sont restées se passer après. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous prenons dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Verset 32 dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Vous vous souvenez encore? Amen. Vous vous souvenez dans quel contexte? Souvenez-vous par une comparaison tirée du figuier. Vous connaissez les figuiers, non? Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous savez que l'été est proche. Vous voyez cela? Donc, quand le feuille devient tendre, vous entendez ça? Ce n'est pas qu'on a déjà vu le fruit. Parce qu'il y a un temps pour que les fruits puissent pousser. Déjà le fait que le feuille devienne tendre, parce que vous voyez qu'il y a la vie qui reprend, n'est-ce pas? Mais au moment où le feuille devient tendre, avec le moment où le fruit vont pousser, il n'y a vraiment pas une très grande période. Mais en fait, là, quand nous voyons déjà, il dit que dès que le feuille devient tendre, vous savez que l'été est proche. L'été est proche. Mais là, regardez très bien, je vais vous assurer. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Donc, cette génération dont on parle, nous sommes inclus dedans. Amen. C'est la Bible, frère. Amen. Hein? C'est vraiment noir sur blanc. Amen. C'est écrit que cette génération qui va voir bourgeonner, effectivement, donc nous sommes quand même la génération. Amen. C'est quand même dans notre génération. Israël, donc cette génération ne passera point. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ah, que Dieu ait pitié de moi. Est-ce que vous avez entendu? Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Regardez bien ici, frères et sœurs. Dans quel âge nous nous trouvons? Nous nous trouvons dans l'âge de l'Odyssée. Est-ce qu'après cet âge ici, il y aura un autre âge? Non. Que vous comprenez quand on parle de la génération, ça veut dire que après cet âge ici,
Dieu s'est tourné effectivement vers Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc à ce moment-là, les choses de ce moment. Donc nous, nous aurons l'occasion de pouvoir quand même voir en réalité certains flashs et points, effectivement, la preuve, ce que nous le voyons. Amen. La preuve. Oui, parce que j'ai réalisé que je n'arrivais pas à pouvoir ouvrir le cœur pour croire. Mais la preuve, frère, je vous l'ai montré ici, ma soeur, qui n'a pas vu les faux de... C'est ça qu'on a dit dans les temples. Donc, ce sont des éléments, pas que ceci maintenant, c'est ça qu'on va utiliser dans le temple. Donc, ça veut dire que les choses qui concernent les temples, nous le voyons. La vache rousse même dont on a parlé, nous le voyons. Ce n'est pas, mais c'est dans notre temps. C'est bien dans cet antique. Et puis maintenant, où j'en parle effectivement, eh bien, vous l'avez entendu, ils sont en train de rentrer chez eux. Pourquoi mon frère? Mais c'est maintenant plus ou moins 58% des juifs qui ont le désir de voir rebâtir les temples. Plus que même un parti politique, même plus que oui, c'est vrai. Donc nous sommes dans le feu de l'action. Oui. Et si ça chauffe effectivement, Israël commence à pouvoir maintenant prendre conscience de son identité complète. Nous le voulons aussi. Parce que chaque fois qu'il y a un problème qui surgit, vous savez, nous l'avons vu le manche passé. C'est toujours en fait avec eux qui sont visés. Donc ils doivent arriver à pouvoir avoir un chez eux. Et Dieu doit arriver à pouvoir travailler avec eux aussi. Donc effectivement, ils doivent bâtir leur troisième temple sur le lieu où se trouvent les dômes du rocher et aussi la mosquée d'Al-Aqsa. Regardez ceci, frères et sœurs. Cette mosquée ne peut pas rester à cet endroit. Ni ces dômes du rocher à cet endroit. Ils doivent être enlevés. Ils ont proposé aux Arabes: nous pouvons démonter pierre sur pierre, allez-vous le monter pierre sur pierre, là où vous voulez. Parce que nous avons la technologie de prendre vos choses là et dire, mais il faut que vous trouviez une place. Nous pouvons le démonter pierre sur pierre, allez construire où vous voulez. Mais ici, là, c'est le lieu où là, c'est s'élever les temples de l'Éternel, où nous devons arriver. Et cet endroit doit leur revenir. Regardez une chose. Je veux vous laisser parler. Regardez une chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans encore pour vous. Peut-être qu'il peut être aujourd'hui ou non. Mais je voulais vous ramener en fait dans les événements actuels. Vous suivez? Parce que nous sommes dans le feu d'action. Vous avez remarqué une chose. Et lorsque la France a été donc frappée, attaquant, vous avez remarqué les endroits qui ont été frappés. Et du jour au lendemain, le drapeau de la France a flotté presque sous, dans tout le pays du monde. Vous avez remarqué? Avez-vous remarqué une chose? Ce que le président et tout son assemblée, ce sont maintenant même les pattes d'opposition, ils sont devenus une. Vous suivez? Et les décisions qu'ils ont prises. D'abord, le pays est dans l'état d'urgence. Frontières fermées, l'armée partout. Et comme qui dit, on touche là-bas, enfin, s'il est arrumé là-bas, ben, c'est par ici qu'on touche. Là-bas, la prédécision est chez nous. C'est aussi arrivé. Vous avez vu effectivement comment l'atmosphère a changé. Les choses sont devenues tout à fait problématiques parce qu'aujourd'hui nous sommes en état de guerre. En France, vous y allez effectivement, ce sont des chars de guerre maintenant qui sont en train de pouvoir maintenant sortir. Chez nous en Belgique, vous n'avez pas remarqué, l'armée est sortie effectivement à la rue. Posez-vous un peu la question. L'armée, elle se bat contre qui? Vous ne vous êtes pas posé un peu la question en vous tenant un peu de vous? Mais certainement, quand on sait qu'un pays en guerre, on voit les chars de l'autre armée là-bas. Et puis chez nous, on fait sortir aussi l'armée sur le territoire pour combattre les chars. Mais de quels chars ils sont en train de combattre les chars pour les faire sortir? Vous
n'osez pas poser un peu la question. Parce que vous ne voyez pas que dans la rue, il y a les armes, les mi-combats, trigui. Vous ne pas poser la question. Il y a quand même des chars aussi, aussi grands, effectivement, là-bas, en France. Ils combattent contre qui? L'armée est en train de combattre contre qui? Tous les territoires est en émoi. Donc, l'état d'urgence partout, frontières fermées. C'est comme toujours l'Allemagne avec Hitler. C'est quand Hitler quittait l'Allemagne avec ses chars. À ce moment-là, on peut voir que là, que les frontières, ben, effectivement, ont fermé, on a envoyé des militaires pour pouvoir combattre, effectivement. Mais aujourd'hui, prenez pas la légère, ça. Aujourd'hui, ils combattent contre qui? Vous voyez que l'armée est dans la rue, la police est sous les nerfs, ils combattent contre un ennemi invisible. Bien sûr, vous dites le frère de l'armée, non, mais. Regardez bien, ils combattent contre l'ennemi invisible. Si ma soeur de l'Union sort avec un grand sac aujourd'hui, on va le mettre par terre comme ça. Fouiller les grands sacs à l'intérieur. Non mais pourquoi? Madame, pardonnez-nous, on ne savait pas, on pensait que... Est-ce que vous comprenez? Donc on est en train de pouvoir combattre comme un ennemi qui est identifié mais invisible. Oui? Donc, vous, frère, ne vous aventurez pas. Oh, mais je vais aller faire un job, je mets tous mes outils là-bas dedans, les râteaux, les ceci, avec un sac comme ça qu'on voit. Ne faites surtout pas ça. Sœur, si vous avez des grands sacs avec tout dedans, prenez un petit sac qui correspond à votre dimension de la Bible. Vous le mettez sur le malin. Pendant ce temps, c'est conseillé. C'est conseillé. Oui. Aussi un petit sac, vous marchez, puis vous le tenez comme ça, quand vous marchez, comme ça on sait qu'il n'y a rien dedans. Vous passez sans problème. Donc, les choses sont devenues très sérieuses. Aujourd'hui, ils ont le droit de pouvoir abattre quelqu'un sans sommation. C'est vrai. Bien sûr. Réalisez. Hein. Donc, ne faites surtout pas l'erreur quand on dit, mais arrêtez-vous, pourquoi pas, mais ne faites surtout pas ça. Arrêtez-vous la honte. Pourquoi? Parce que c'est un combat avec un adversaire. On ne voit pas? C'est un combat de nerfs. C'est dans l'esprit maintenant. Ils sont tous sous tension. Tu vas faire un programme. Moi, tu vas faire un téléphone pour voir, savoir si quand on doit combattre un ennemi, on doit savoir. Il est là-bas, on fait plein plan, mais ici, vous ne savez pas. Ça peut être dans les bâtiments à côté. Oui, c'est ça. Non, non. Vous ne savez rien du tout. Ah oui, mon frère, c'est un temps difficile. Je vais vous poser une question. Je vais vous laisser partir chez vous. Avant, lorsqu'on prenait les avions, on n'avait pas de problème. Vous mettez vos parfums, vos bouteilles d'eau, là, vous passez, ça vous demande, monsieur, rien déclaré, déclaré, pas. Tu montais avec tes frères des studios, pas de problème. Mais aujourd'hui, même pour passer l'aéroport, effectivement, regardez d'abord la sécurité là. On fouille tout, on voit tout, même au bagage, on fouille la chose. Tout, ouais, pourquoi? Depuis quand? Depuis le 11 septembre. Le 11 septembre a fait que les systèmes du monde changent. Point de vue, contrôle des hommes. Vous avez, avec vos smartphones que vous avez, vous aimez bien mettre beaucoup de choses, écrire beaucoup de choses, hein? Avec vos adresses IP, avec vos choses là, vous vous connectez, et puis Google vous identifie partout, vous allez GPS. Et bien, vous savez ce que c'est? On collecte toutes vos informations, partout. Si vous allez souvent chez Frère Jonas, on sait que tu vas chez Frère Jonas. Eh bien oui, tout ce que vous faites comme mouvement, vous n'êtes plus libre. On sait où vous allez effectivement, on sait ce que vous avez fait effectivement, parce que déjà rien qu'avec vos téléphones, on peut vous identifier dans quelle maison vous entrez. On peut vous faire sortir l'agenda de tous vos emails que vous avez envoyés comme correspondance avec quelqu'un d'autre. Eh bien, vous riez, mais c'est la vérité. Amen. Maintenant, je vais entendre une chose. Je vais répondre à ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je vais entendre une chose. Fatiguez pas. Vous êtes fatigué? Non! Nous qui sommes en train de travailler avec des ordinateurs, nous ne sommes plus s'en passer. Bon, je reçus même moi-même aussi Windows 10 est sorti. Gratuitement, vous l'installez gratuitement.
Pas de problème, rien à faire. J'ai installé. Mais j'ai reçu de notre informaticien une information, de l'informaticien une information. Parce que j'ai dit, mes frères, c'est quand même bizarre qu'on donne quand même gratuitement. Quand on donne chose gratuitement, il y a quand même chose de bizarre dedans. Un frère, je peux comprendre. Et les gouvernements, ça m'inquiète. Il dit, frère, il y a une raison. Les anciens programmes, quand tu avais effectivement, avant qu'on puisse avoir accès à ton ordinateur, ben, il y avait des. Il faut devait demander effectivement si tu vas s'il y avait des problèmes. Mais maintenant, ils ont fait faire ces programmes chez Windows, on te l'envoie, tu le reçois à nouveau. En fait, ton ordinateur, ils peuvent en avoir accès à tout moment. Donc toi, tu travailles là, et ils peuvent bien rentrer là-dedans, voir tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les choses passent avec les. Donc, ils peuvent voir. Donc maintenant, il n'y a rien de privé. Quand ils veulent vraiment vous savoir ce que vous faites dans tout ce que vous envoyez, dans vos projets SEM là que vous avez, tous les textes que vous envoyez, vous vous effacez, vous pensez que c'est effacé. Non, monsieur, ça se conserve bien quelque part. Vaut mieux d'abord si tu veux brûler, graser et couper en deux. Oui. C'est vrai ce que je vous dis. Tous les instruments que vous avez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes contrôlé dans tout ce que vous faites. D'ailleurs, vous avez quand même vu quand même que avec l'économie européenne qui, l'économie mondiale, pas à chuter, toutes vos transactions que vous faites, quand vous avez la carte qui débanque, vous allez sur sa carte de crédit, partout où vous allez, vous êtes détruit, les courses que vous faites. On sait savoir que madame là-bas, je vous dis non, monsieur Michel, avec sa carte de liberté, il a été argenté là-bas. Même s'il dit, je me cache, personne ne va savoir, tu vas me cacher aussi dans quel pays. Quand tu vas retirer. Vous n'avez jamais remarqué, même vos passeports sont devenus biométriques. Tu passes les passeports en Australie, ici en Belgique, on sait que tu es en Australie. D'ailleurs, il n'y a plus aucun endroit où vous pouvez arriver à pouvoir vraiment vous cacher. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai montré effectivement que suite à ça, ceci est passé. Je vais vous montrer quelque chose. La peur aujourd'hui des gens, c'est de l'islam, terroriste effectivement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ils vont maintenant contrôler. En fait, n'ayez pas peur. Pas du tout. L'islam ne va pas conquérir. Le terrorisme ne va pas conquérir. Vous savez qui est-ce qui va conquérir? Prenons Daniel. Daniel au chapitre 7. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres extrêmement terribles qui avaient des dents de fer et des ongles et des reins qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient donc tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Vous entendez? Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien du jour vint donc droit donner au Seigneur. Je vous ai dit, c'est ça, non? Les saints dont on parle ici, c'est le peuple d'Israël. Amen. Parce qu'il faut le voir aussi en rapport avec Apocalypse chapitre 13. Vous avez déjà lu ça? Amen. J'entends seulement Amen ici. Amen. Et là-bas, j'entends ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Amen. Qui sont ceux qui ont déjà vu ça? Ok, alors je vais lire pour ceux qui n'ont pas encore lu. Regardez. Apocalypse chapitre 13. Vous avez du temps, non? Amen. Amen. Apocalypse 13.
Verset 1 dit, « Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème. » Vous avez remarqué? Amen. Je continue. Vous connaissez qui est celle? Vous connaissez, non? Amen. Vous allez lire dans Daniel. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule lion. Les dragons lui donnaient sa puissance, son trône et une grande autorité. Vous avez entendu? Amen. Donc, Satan est là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Mm-hmm. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Mm-hmm. Vous comprenez ça? Mm-hmm. Alors il dit, et il fut donné une bouche qui proférait de paroles arrogantes et de blasphèmes. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Vous avez remarqué quelque chose? Amen. Ici, on dit ceci. Verset 6, il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Ceux qui habitent dans les cieux. Verset 5, on nous dit ceci. Il fut donc donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Quand il s'agit des 42 mois, ce n'est pas pour les nations. C'est une période de temps qui est attribué à Israël, c'est-à-dire 2-3 ans et demi. Donc, c'est pendant ce temps-là que nous verrons effectivement aussi avec la 70e semaine de Daniel, parce qu'au milieu de la semaine, vous suivez. Donc, alors nous revenons ici pour que nous lisons ce que nous lisons dans Daniel chapitre 13. Est-ce que maintenant vous avez vu? Amen. Vous avez vu maintenant? Amen. Ok. Donc, Daniel 7, nous lisons. Et verset 21 dit, je vis donc cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien de Job vint donner droit aux saints du Très-Haut, et les temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Vous voyez ce qu'il s'agit de? C'est bien l'Europe, l'Empire romain dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Vous voyez à peu près comment l'Empire romain constitué, non? Donc il ne fait pas partie en fait de ce qu'on appelle la Mésopotamie, ainsi de suite. Vous entendez? Vous voyez d'où vient le terrorisme ici, non? Est-ce que vous voyez d'où c'est? Donc d'où c'est importé, non? Donc le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Donc c'est bien l'Empire romain dans lequel nous nous trouvons. Vous suivez? Il est différent de tout le royaume. Et qui fera quoi? Qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc effectivement, cet empire, c'est cet empire qui va dominer sur tout. La preuve, c'est que vous voyez quand même que lorsque même les touristes entrent effectivement sur le territoire, on finit toujours par les identifier. Aujourd'hui, en fait, l'Europe est en train de pouvoir démontrer effectivement qu'il tient compte effectivement et qu'il contrôle son territoire, dans le sens que en rapport avec la technologie qu'ils ont. Si vous avez entendu, la France est en train de pouvoir maintenant déployer, avant, vous l'avez déployé, mais c'est maintenant qu'ils déploient alors le feu avec colère, on envoie même les comment on appelle ça, Charles de Gaulle, merci, Charles de Gaulle, pour aller démontrer que certainement ils vont faire du dégât de l'autre côté là-bas. Ces gens-là vont être affaiblis. Parce que la coalition, bien sûr, monsieur, l'Europe détient la technologie, non seulement l'Europe, mais vous connaissez quand même, effectivement, dans le chapitre 13, effectivement, c'est lui, effectivement, qui était comme l'agneau, ainsi de suite. Et non, cette bête-là qui sont en fait de la terre promise, donc composé avec sa technologie. Il a même proposé à la France que je veux m'associer avec vous, quand vous avez fait la technologie. Donc, il faut associer avec l'Europe, effectivement, l'Assemblée outre-Atlantique, qu'on trouve ici, effectivement. Donc, ils ont la force de frappe. La force de frappe, mon frère, ça veut dire quoi? Ce que vous ne réalisez pas, c'est que dans les temps à venir, la condition des hommes en Europe et dans le monde ne sera plus pareille.
Maintenant, la vie, on aura le droit même de venir chez vous, casser la porte, faire. En fait, on va dominer. On va avoir le droit de pouvoir casser les portes sans jugement. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le droit de pouvoir, à cause de ce qui se passe, effectivement, on ne sait pas qui est qui. Satan fait ces choses. En fait, les prophéties sont en train de pouvoir s'accomplir sous les yeux. C'est-à-dire que la liberté dont vous rêvez, effectivement, d'être libre, vous devez commencer à dire au revoir. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir le droit de pouvoir réellement contrôler même chez vous, à la maison. Il y a un monsieur, l'autre jour, j'ai entendu effectivement qu'on est allé chez lui, on a cassé la porte, effectivement, on est en train de se passer. Pourquoi? Parce que les voisins ont dit, on a vu les armes, on a vu la préparation des bombes. Les pauvres messieurs, on a arrivé chez lui, c'était les battus. Et puis, quelles sont les armes, effectivement? C'était les ping-pong là, qu'on tirait effectivement en plastique. Mais la porte est cassée, et on a venu, effectivement. Donc, on a trouvé que c'était les battus, c'était pas la mixture pour l'explosion. Donc, chez vous, aujourd'hui, ils vont pas se dire rien, ils l'ont fait, mais chez vous. Aujourd'hui, ils peuvent aussi écouter, ben, nous avons entendu par les voisins qu'effectivement, que tu as quelque chose, pas fait bien, pas fait casse la porte, il détruit tout, effectivement, tu n'as pas demandé de compte. Nous sommes dans ce qu'on appelle une période de tension. Donc, l'armée, la police reçoit maintenant beaucoup plus de pouvoir pour agir, effectivement. Alors, vous devez vous attendre à ce que dans les temps à venir, c'est là que vous avez entendu dans les Saintes Écritures votre attention. Je vous laisse partir. Dans les temps à venir, personne ne pourra ni acheter ni vendre. C'est pas qu'on a dit ça pour dire non, ça va se mettre en place. Parce que maintenant, le contrôle, ça va se faire. Puisque vous êtes. On va revenir parce que le problème de la religion va aussi sortir. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Vous dormez. Je vous ai montré dans les Saintes Écritures dans. Apocalypse chapitre 17. Qu'est-ce que vous avez? Il y a une femme qui chevauchait la bête. La bête, vous connaissez bien maintenant. Bon, celle qui chevauche la bête, c'est celui qui a le pouvoir sur la bête. Et cette femme, c'est qui? Vous voyez ce que vous devez arriver à pouvoir vous attendre? Vous n'avez pas compris, frère et soeur. C'est pourquoi vous ne prêtez. Vous êtes en train de pouvoir un peu vous dire, mais qu'est-ce que nous raconte effectivement? Vous ne prenez pas attention. Mais en fait, ceux qui sont visés, c'est l'épouse et l'agneau. Les autres personnes, ils vont s'accommoder à tout ça. Mais toi, c'est pourquoi examinez-vous de quel côté vous. Trois sont des voyants. Parce qu'il a dit non, ils se trahiront. Les frères se trahiront, ils se haïront. Bien sûr. Quand la pression va venir, effectivement, on va commencer à voir proposer. Ah, mais oui, mais les pasteurs disaient, moi, je n'étais pas d'accord avec le pasteur. Hein. Moi, j'étais d'accord avec tout, 100% du gouvernement. 100%. Je pense que même on ne peut pas donner même santé à la Marseillaise de la personne. Ah, mais il y a. C'est pas comment ça, la personne. On va pas te mener. Oh, tu vois, ça te met la personne. Ah, vive le roi. On ne t'a pas demandé tout ça. Tout. Ah, moi, je chante la personne. Moi, j'ai fait tout. Madame, on ne t'a pas demandé santé à la personne. Non, c'est pour vous dire. Je n'étais pas d'accord. Il faut voir où est-ce que vous en êtes. Aujourd'hui, on est ici, mais mon frère et ma soeur, les choses sont en train de prendre d'autres ampleurs. Je le dis encore, l'islam ne va pas dominer. N'ayez pas peur de l'islam. Et tout ce qui se passe autour, soyez simplement prudent et vigilant. Et sachez que tous ces éléments contribuent à ce que les dragons se réveillent. Et que maintenant que la bête puisse maintenant prendre maintenant l'autorité, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit arriver à pouvoir réveiller cela. Pour dire, maintenant, j'ai le droit de pouvoir maintenant assigner à tout le monde à cause de ceci. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une cause. Il faut qu'une loi soit votée. Alors, réveille-toi. Toi qui dors. L'heure est avancée. Tu ne vas pas dire, je ne sais pas, mais tu vis quand même aujourd'hui, non? Tu vois que même dans ton pays, et ça part partout, hein? Maintenant, nous avons parlé de là, avant même que la fuite de Jean-Henri, qu'on avait parlé, ils sont rentrés. Forteresse. Vous vous souvenez, non? On sait la suite qui va se passer, non? Tout se met en place sous vos yeux, frère. Sous vos yeux, ma soeur, jusqu'à quand continuez à voir dormir et à négliger. Le véritable qui vont partir, ce sont ceux-là qui se préparent. Ils sont éveillés, ils se préparent, ils se battent effectivement.
Il dit, maudit et quiconque. Maudit et quiconque fait avec médisance l'œuvre de Dieu. Donc toi, il faut que tu saches que si Dieu t'a appelé dans ce temps ici, voici les temps où les ailes doivent encore davantage. Avant de clôturer les prières, mon frère Idéphonse et ma soeur Sarah, le frère Danda, nous ont fait ça. Vous voyez ça? Est-ce que je disais l'autre fois que c'est le temps aussi de pouvoir aussi inviter. Inviter tous ceux que vous voyez, pas honte de répandre l'évangile. C'est le temps, vous ne savez pas si demain, comme je dis, ceux qui étaient assis dans la terrasse là, nous aussi on ne peut pas l'hamburger au coude. Mais on passe au coude d'avant, on ramasse. On ne sait pas. Mais avant que je parte, je vais quand même amener mes fils qu'il y en a. Faire quelque chose pour Dieu aussi. C'est le temps. Nous devons effectivement s'y inviter. Amen. Que Dieu bénisse nos deux enfants, là, qui ont invité les jeunes. Les enfants nous montrent l'exemple, mon frère. Amen. Alors, vous aussi, emportez-le pas. Donc, ceci va être imprimé, ce sera mis là-bas. Frère de fond s'occupera avec Frère Mario. Prenez-en. Ne jetez pas, ce que tu viens d'écrire ici aussi, n'est pas jeté sur la voie publique. C'est une seule question, on la trouve, on ne va pas nous condamner. Mais tu seras responsable, toi. Donc, toi, tu donnes à la personne. La personne qui l'a, quand il va lire et qu'on le voit jeter, on ne va pas nous suivre. Pourquoi le suivre? Donc, donner, avant de donner, parler à la personne. Amen. Nous avons trouvé un Dieu. Soyez comme Philippe. On va se moquer de vous. Ah, mais là-bas, c'est la poubelle. Il n'y a pas de problème. Si c'est la poubelle, mais viens quand même goûter. Amen. C'est quand tu auras goûté, qui te nous dira si c'est la poubelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lève-nous. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais nos seigneurs les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que encore plus jeune, on nous a enseigné que la marque de la bête, c'est comme un cachet qu'on veut recevoir. Comme le pasteur l'a dit, on ne pourra ni acheter ni vendre sans qu'on ait la marque. Alors qu'on était enfant, les dogmes, les crédits des hommes, on nous a enseigné qu'on recevra un cachet. Mais alors que le pasteur parlait, frère, je ne sais pas si vous avez prêté attention, les GSM que nous avons, même les enfants aujourd'hui, à 7 ans, ils ont déjà un GSM. On cherche la marque de la bête, on cherche peut-être un cachet. Il n'y aura pas de cachet, frère. Les choses sont déjà en action. Que Dieu nous aide réellement à être réveillés, à être attentifs à ce que le monde, ce qu'il y a en train de se passer dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que Dieu nous aide réellement. Je chante encore le 48 dans les paroles. 48. 48. Les nations se disent. Israël se réveille, et c'est que les prophètes prédisent. Tous les noms du danser, on prend des horreurs, bientôt à l'éternel. On va le monde, tous les enfants des mondes, et les enfants des mondes.
Esprit-Saint et que réellement il nous conduise dans la vérité. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais demander à mon frère Idefonds de venir récolter les offrandes pendant que la chorale...